Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour le 65e épisode du CKB Show. Et oui, déjà 65, on ne s'arrête plus et on revient de vacances tout bronzé. Enfin, en tout cas, il y en a un de nous qui revient de vacances tout bronzé. Et on a décidé de vous parler tous ensemble d'une chose qu'on fait tous pendant nos périodes de vacances, c'est-à-dire prendre des photos, beaucoup de photos, parce qu'on a des smartphones qui font des photos exceptionnelles. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est rentré de vacances? Est-ce qu'on les laisse dans son appareil photo? Est-ce qu'on les retouche? Est-ce qu'on les stocke ailleurs? Est-ce qu'on les organise? Bref, on va tout vous dire sur la photo et les Chromebooks. Et pour faire ça, forcément, je suis accompagné de l'équipe habituelle avec, évidemment, Thierry, notre vacancier qui revient de vacances, évidemment, tout bro et tout bronzé. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Salut Nico. Écoute, ce serait moche que je dise que ça n'aille pas, donc ça va bien. Mais c'est bien, j'espère que tu as profité de tes vacances et que tu reviens en grande forme avec nous, pour nous en plus, pour nous et avec nous, ça c'est génial. Et pour évidemment, on peut pas faire un CKB show sans Laurent, et évidemment, on a un peu galéré les autres, vous ne le savez pas, mais on a vraiment galéré à essayer de faire cet enregistrement parce que Laurent a eu des problèmes de connexion, mais il est enfin avec nous. Bonjour Laurent, comment vas-tu maintenant? Bonsoir Nicolas, bonsoir Thierry. Moi, je n'ai pas été en vacances et moi, je ne suis pas bronzé. Voilà, monsieur. C'est pas grave. J'en ai profité quand même. Vous inquiétez pas. T'inquiète pas. C'est pas grave, c'est la connexion Internet qui est partie en vacances. Voilà, c'est ma connexion Internet ce soir qui était partie en vacances. Pour l'instant, elle a l'air au poil. Je n'ai pas dit à poil, j'ai dit au poil. Eh ben c'est parfait. Ah ben, il nous dit ça et il nous quitte dans la foulée. Alors, en attendant, on va dire bonjour à Alain et Stéphane qui nous ont rejoints pour le début de cet épisode. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Comme d'habitude, première chose très très importante, vous le savez, on remercie nos tipeurs qui nous soutiennent et pour qui on dédie cet épisode aujourd'hui. Le 63e épisode est subventionné par Richard, merci Richard, par Thomas. Alors Thomas, vous en avez déjà entendu parler, c'est un co-animateur du CKB Show. Alors Thomas, merci, ça nous touche beaucoup évidemment de ton geste et on pense à toi tous les jours. Alors merci à toi pour ce Tipeee exceptionnellement trop élevé évidemment puisque tu as participé largement à la notoriété mondiale du CKB Show. Et puis on remercie également Olivier de nous soutenir sur cet épisode. Merci à toi, Olivier. Merci à vous tous. Alors, si vous voulez faire comme eux, évidemment, vous pouvez aller sur fr.tipeee.com/mychromebook-6fr et puis nous aider, nous subventionner à hauteur de 1 euro et plus si vous le souhaitez. Et puis, si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à partager les épisodes et tout notre contenu sur les réseaux sociaux. Autre information hyper intéressante, et oui, parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés à notre newsletter. L'infolettre. Si, ça y est, on a dépassé officiellement. Alors, de temps en temps, on a plus, de temps en temps, on avait moins. Et maintenant, ça y est, ça stabilise au-dessus. Alors, merci à tous ceux qui sont inscrits sur l'infolettre. Elle est gratuite, je le rappelle. Elle est bimensuelle. Elle aborde des sujets qu'on n'aborde pas forcément toujours sur le Chromebook ou sur le CKB Show parce qu'on n'a pas toujours le temps de parler de tout. Et puis, de temps en temps, on essaye très souvent de vous faire des petits dossiers sur ce CKB Show est largement influencé par une infolettre qu'on m'a demandé très souvent de renvoyer. C'était celle sur la photo et les Chromebooks. Donc forcément, vous retrouvez des dossiers de ce type. Donc si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. C'est mychromebook.fr/infolettre, tout attaché. Et on vous enverra une infolettre tous les deux dimanches. Tous les deux dimanches, tout à fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Avant de commencer sur cet épisode, évidemment, les usages de base, couper votre assistant personnel, on va évidemment parler beaucoup de Google et il risquerait de s'activer en permanence dès qu'on va prononcer le mot magique pour allumer vos lumières, les frigos. Donc, je vous laisse quelques secondes pour couper tout ça et puis
Sans transition, on va avancer sur le sommaire, oui, parce qu'on a un sommaire qui est quand même assez chargé, hein. On va parler des photos. Thierry, tu es d'accord, tu as pris plein de photos, je pense, pendant tes vacances, donc tu veux savoir maintenant comment, qu'est-ce que tu peux faire de toutes ces photographies. Tu confirmes? Exactement. Voilà, alors je vais t'expliquer. Alors, je vais t'expliquer plein de choses. Et on va les voir. En plus, tu vas nous les montrer. On va expliquer un petit peu les bases. J'imagine. On va expliquer les bases de la photo. Alors, je vais vous donner deux trois petites astuces pour une bonne photo, mais c'est trop tard. Hein, tes vacances sont faites et les photos également. À moins que tu puisses repartir en vacances pour appliquer ce que je vais te dire. Mais pour ceux qui ne sont pas encore partis, ça peut être utile. Et dans la vie de tous les jours, ça peut être très intéressant. Je vais vous expliquer également, on va vous expliquer comment stocker nos photos. Alors, il y a deux écoles, il y a le cloud ou le local. Donc, on va essayer de débattre autour de ça. Laquelle des deux solutions est la meilleure? Moi, j'ai ma petite idée, mais a priori, on peut me faire changer d'avis. Et ensuite, une fois qu'on a nos photos stockées sur nos appareils ou en cloud, eh bien, il va falloir pouvoir les corriger, les modifier, les améliorer, hein, nous amincir, nous bronzer un peu plus peut-être. Et on va vous expliquer les outils qu'on utilise déjà et qui fonctionnent parfaitement bien sur nos Chromebooks. Et enfin, c'est pas le tout d'avoir une photo numérique. Est-ce qu'on la garde au format numérique ou au format papier? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai également mon petit avis, mais je suis sûr que mes deux compères en ont également une. Ensuite, on continuera, classique, hein, sur les petites news. Alors, normalement, on ne va pas en faire beaucoup ce soir, mais on en a sélectionné trois. On va parler de la restauration de sessions sur Chrome OS parce que c'est une chose qu'on nous demande souvent. Et puis, des nouveautés qui sont sorties il n'y a pas si longtemps chez HP qui ont fait un petit peu bouger la toile. Et donc, on va aborder ce sujet. Et pour les plus téméraires d'entre vous et ceux qui nous suivent tout le temps, vous le savez maintenant, il y a un petit after show qui dure plus ou moins longtemps. Ça va dépendre de vous puisque c'est là que vous pourrez nous poser toutes vos questions. Voilà, j'espère que le programme vous plaît, parce que de toute façon, je n'en ai pas d'autre. Donc, du coup, on va partir directement sur la photographie. Alors, je vais vous parler des petites simplicités, des petites choses à faire pour faire une bonne photo. Mais vous les connaissez déjà sûrement tous, c'est peut-être du redit, mais c'est pas grave. Thierry, est-ce que toi, tu as fait des photos donc pendant tes vacances, j'imagine, comme tout le monde, à peu près? Mon épouse surtout, parce que... un malvoyant qui fait des photos, ça ne sera pas forcément terrible. Donc, c'est plus elle qui en fait. Les clairs-obscurs, tu ne connais pas? Ouais, c'est pas faux. J'ai fait des photos de nuit, en fait. Voilà, c'est parfait, nickel. Alors, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, dans les photos, il y a plusieurs choses à faire qui sont plutôt intéressantes. C'est déjà de définir un bon angle de prise de vue. Ouais, parce que souvent, on choisit des angles de vue qui ne sont pas toujours très intéressants. Tu sais, les contre-plongées, les plongées, ça nous fait des cernes. Alors, vous le voyez, là, on est en vidéo pour ceux qui nous suivent en vidéo. Si j'avais positionné ma caméra un petit peu plus haut, peut-être que vous auriez vu toutes les cernes que j'ai parce que j'ai travaillé tellement sur cette présentation que je n'ai pas dormi beaucoup. Oui, il faut le dire, hein. faut le féliciter. Il y a même, je ne sais pas pour ceux qui sont à regarder YouTube, nous regarder sur YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des reflets sur les barres transversales. Or, je trouve ça superbe. Chapeau. Voilà, c'est vraiment chapeau. Merci, ton augmentation, elle sera validée, hein, Laurent. Merci, c'est ce que j'attendais justement. Un bon angle de vue, c'est super important parce que ça peut changer totalement l'image en elle-même. Alors, on a ça, mais il y a des trucs assez intéressants et qui sont fonctionnels sur des smartphones. C'est pour ça que je voulais en parler parce que moi, je fais de la photo principalement sur smartphone, mais également sur Reflex. Je vous en parlerai un petit peu. Il existe un système de cadrage sur les appareils photo que vous pouvez activer. Je vous invite à les activer. Ça s'appelle la règle des tiers. En fait, vous découpez votre image en 9 parties. Hein, c'est en 3x3. C'est une grille de 3x3. Et ça vous donne des lignes de champ qui vous permettent de positionner sur chacune des lignes des différents mouvements de votre image. Ça vous donne une direction, un mouvement, comme je vous l'ai dit. Mais ça va positionner un élément fort à un endroit d'une image. Donc, ce qui peut être intéressant, ces axes vont se croiser dans des points de force. Et sur ces points de force, ça peut être c'est même pas intéressant. C'est là où il faut positionner votre sujet principal la plupart du temps. Souvent, quand vous prenez un portrait, je vous invite à mettre un des yeux, l'œil le plus dominant de la personne sur un des champs de force, sur un des points de force pour donner plus d'impression à l'image. Certains photographes qui ont fait les plus belles photos du monde utilisent cette technique-là, ce qui donne vraiment un caractère bien particulier à l'image. Évidemment, une image sans lumière, sans contraste, c'est un peu compliqué. Jouer avec les ombres et les lumières.
mettez beaucoup de lumière sur une partie du visage et peu sur l'autre, et vous verrez, c'est assez bluffant. Passez la lumière en haut ou en bas, et pareil, les contrastes, les cernes vont être marqués, les grains de peau vont être encore plus marqués, et ça va vous donner quelque chose hyper intéressant sur l'image en elle-même et sur le caractère grave de l'image. Ça peut apporter vraiment un plus à votre photo, c'est celle qui va démarquer des autres. Et enfin, quatrième point que je donnerais quand je prends une photo, briser les règles, arrêter de faire du face-à-face. On n'est pas dans un photomaton pour faire une photo. Pourquoi ne pas la prendre au ras du sol, votre photo? Posez votre appareil au ras du sol et prenez la personne depuis le bas. Alors, on en parlait un petit peu, Thierry, tu me disais qu'il y avait un film qui avait utilisé cette technique-là tout à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour ceux, je pense que la majorité l'ont déjà vu, le film La Ligne Verte, sur un des acteurs principaux, donc John Caffey, qui est celui qui est condamné à mort dans le film. En fait, j'avais lu qu'effectivement, pour lui donner une impression de puissance, la caméra était un petit peu plus basse, donc il y avait exactement ce que tu expliques, il était pris de plus basse, qui donnait un effet de... Comment dire, enfin, on avait l'impression simplement qu'il était plus costaud. Et bon, ça marche plutôt bien, parce que pour ceux qui ont vu le film, c'est vrai que le monsieur a l'air d'avoir une corpulence assez impressionnante. C'est ça. Mais il y a plein de films comme ça. Hein. On parle de photos, mais dans la vidéo, c'est exactement la même chose. Je vais reprendre vous pouvez jouer avec les profondeurs. C'est-à-dire qu'un personnage en premier plan, vous savez, quand tu as ta tour Eiffel dans les doigts, entre les doigts, c'est pas possible. On peut pas tenir la tour Eiffel en vrai dans les doigts, entre deux doigts. C'est juste l'effet de profondeur. Cet effet-là, ça permet briser les règles. Sortez du cadre, éloignez-vous de l'image ou rapprochez-vous complètement. Pourquoi ne pas remplir le cadre complet de la personne? Pourquoi le visage ne peut pas être plus près? Pourquoi ne pas aller chercher la matière, à se rapprocher complètement d'une matière? Ou alors carrément jouer avec les cadres existants. Vous avez une fenêtre, pourquoi ne pas prendre aussi le cadre de la fenêtre pour prendre ce qui est à l'extérieur de l'image? Enfin, c'est toutes des petites astuces que les photographes utilisent. Alors, je ne suis pas un photographe professionnel, je suis allé dénicher ces informations chez une photographe professionnelle. J'ai un peu triché hein, quand même. Et je peux vous dire que c'est des solutions qui sont... simple à mettre en place avec un smartphone, que peu importe le smartphone, que ce soit de l'iOS ou de l'Android, on est sur des solutions très très simples à mettre en place. Ça tombe bien parce que tout le monde a maintenant un appareil photo dans sa poche, donc tant qu'à faire, autant prendre de belles photos. Et puis on peut les prendre plein de fois, c'est ça qui est génial, hein. On se trompe, on en reprend, pas besoin de développer la pellicule et de voir que la colorimétrie de la photo était horrible. Puis en plus, après, on va vous expliquer comment les retoucher rapidement sur un Chromebook. Voilà. C'est quelques règles de base. Je ne sais pas, Laurent, est-ce que toi, tu fais un peu de photos? Parce que tu m'as fait 2-3 photos que tu m'as envoyées. Est-ce que tu as des règles? Non, pas du tout. Non, moi, c'est à l'instant. À l'instant ou à l'instinct? À l'instant. À l'instant, okay. À l'instant. Je trouve que, si tu veux, je photographie, moi, de mon côté, moi, je photographie, je ne sais pas comment fait Thierry ou tu fais Nicolas, mais pour moi, c'est, par exemple, je photographie énormément mes deux bergers australiens. J'essaye toujours, comme tu disais, de surprendre. Par exemple, je fais des photos d'elles en mettant, par exemple, à côté de l'appareil photo, à côté de l'appareil photo. C'est le smartphone à côté, par exemple, des truffes, d'une des deux chiennes. Ce qui fait qu'on voit la truffe énorme et puis les yeux tout petits. Mais ça donne quelque chose, voilà quoi. Tu sors du cadre, en fait, finalement. Ouais. Voilà, je sors du cadre. Mais c'est vrai que, si tu veux, les photos traditionnelles qu'on voyait en noir et blanc auparavant avec, papa, maman, les enfants derrière, et puis qui étaient en vacances, on parlait des vacances avec Thierry, je pense qu'il faut les casser le code, il faut leur donner un peu plus d'humour, de vie, de leur donner du cinéma, je dirais. Voilà. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, je vais rebondir tout de suite dans le chat. Alors, bonjour à tous ceux qu'on n'a pas encore vus. Mathieu, Matt, prof du web, bienvenue, prof du web. Dominique et puis Alain, tous répondent. Mathieu, prof du web, évidemment, sur iOS, c'est meilleur que sur Android. Bon, ça, c'est un point de vue, hein, visiblement. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Et puis, Alain nous dit qu'il est important de redresser ses photos. Oui, on va en reparler aussi un petit peu après. On peut redresser la photo si jamais elle est un peu... dans tous les sens, un peu mal cadré.
On brise les règles, c'est super important pour donner une photo qui a du caractère. Ceux qui sont sur Instagram, vous voyez, enfin, il y en a, ils sont exceptionnellement bons. Allez-y, suivez-les, imprégnez-vous de ce que les autres font. On peut retrouver des choses très, très intéressantes. Et parfois, utiliser un reflet, une flaque d'eau, plutôt que de prendre le sujet directement, prenez-le via la flaque d'eau. Ça peut être super sympa et ça donne quelque chose qui a du caractère. Voilà. Et en plus, ça personnalise la photo. Je veux dire, vous donnez une personnalité à la photo et à vous-même. On vous montre réellement que vous cherchez à donner une valeur, je dirais, esthétique à la photo. C'est pas simplement faire clic, clic, et puis voilà. L'appareil photo, vous pouvez avoir le plus mauvais, genre à 2 balles. Vous savez, les appareils photo jetables à 2 balles qu'il y avait à une époque. Et ben, vous pouvez faire avec des appareils photo à 2 balles, des très belles photos. Alors que si vous avez un Leica et puis que vous vous dites, bah ça y est, le Leica, il va faire la photo. Non, 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 le Leica, il ne va pas faire la photo. Le Leica, il va prendre la photo que vous lui demandez de prendre. Ce n'est pas pareil. Le Leica, il va dire, il est bête, hein, le Leica, il regarde, il peut vous coûter 5000 euros, le Leica, il vous regarde et puis il vous dit, bah vas-y, appuie, moi je prends ce que tu me donnes. C'est tout. L'appareil photo à 2 balles, et ben, vous pouvez faire des super photos. Voilà. Un grand merci à Prof du Web, à Mathieu, pour son super sticker. Merci à toi de nous soutenir. L'important dans un appareil, c'est de l'avoir. Oui, c'est ça. Effectivement, mais c'est très juste d'ailleurs. Le meilleur appareil photo, c'est de l'avoir sur soi. Et quoi de mieux qu'un téléphone, parce qu'on l'a toujours sur nous. Voilà. Et le sortir, c'est hyper intéressant. Alors sur iOS, je ne sais pas, mais sur Android, vous avez la possibilité d'avoir le bouton Power. Vous appuyez 2 fois dessus et automatiquement, ça déclenche le mode photo, même si vous avez verrouillé, ce qui évite de perdre trop du temps à aller chercher l'application, à aller l'allumer, à redresser les trucs. Et donc, un double bouton ou un appui long sur le bouton Power, ce qui permet d'ouvrir l'appareil photo et de ne pas louper l'instant, comme tu le disais, Laurent. Et puis aussi, activer les photos en rafale. Alors, tous les constructeurs iOS et Android font ça. Maintenant, ça prend plusieurs photos. Et puis après, ça va vous permettre de sélectionner la meilleure photo. Donc, on évite les flous, sauf s'ils sont voulus, bien sûr. Et on évite pas mal de les yeux fermés de l'un, la bouche ouverte de l'autre, enfin, les grimaces de certains. Bref, c'est des choses toutes bêtes, mais quand on les a sous le coude, c'est vraiment super intéressant. On continue. On va pas passer aux appareils, justement. Alors, n'en déplaise à certains, pour moi, le meilleur photophone, c'est le Pixelphone. Je suis fan absolu des Pixelphones, même si iOS avec les iPhone 12 et compagnie sont des très bons produits. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à retrouver mes marques sur l'iPhone, enfin sur le capteur photo, mais pas à retrouver la même qualité d'image. Donc, au niveau rapport qualité-prix, le Pixel est pour moi le meilleur appareil photo du marché, le meilleur photophone du marché. Comme le disait tout à l'heure Matt, l'intérêt de ce produit-là, c'est de l'avoir sur soi et de pouvoir le dégainer très rapidement. Il est petit, il s'active rapidement et puis la photo est exceptionnelle et l'intelligence artificielle d'Android sur ça est vraiment parfaite. Je ne sais pas pour vous, Thierry, Laurent, si vous êtes d'accord sur ce point-là avec moi. Bah, moi, allô ? Oui, je suis là. Oui. Non, parce que j'ai des problèmes de connexion, excusez-moi, hein, ça m'arrive. Moi, je trouve même qu'à la limite, le premier Pixel, le Pixel qui n'était pas importé en France, puisqu'on a commencé à avoir des Pixels importés, proposés en vente à partir du numéro 3, je peux dire que le premier Pixel est excellent et en plus il permet d'avoir une photothèque sur Google Photos illimitée. On en reparlera ça, ouais, effectivement, juste après, parce que maintenant, il faut y mettre des guillemets, parce qu'il n'y a plus beaucoup de produits qui permettent d'avoir ça chez Google, mais on reviendra dessus. Deuxième chose, donc pareil, Mathieu nous dit que, est-ce vu la qualité des smartphones, pourquoi avoir autre chose? Évidemment, c'est compliqué. L'autre chose permet d'avoir des qualités de photos encore plus grandes. Alors, pour les professionnels, évidemment, c'est irremplaçable, un numérique ou un réflexe numérique argentique, peu importe ce qu'on aime faire. Pour avoir une qualité 4 mètres par 3 mètres, un smartphone ne pourra pas le faire. Donc,
Je ne dis pas que dans quelques temps, les smartphones ne vont pas relayer les appareils professionnels très loin, mais il y a encore de la marge. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le boîtier qui est important, il y a aussi les objectifs, et certains objectifs sont juste exceptionnels. Je vais prendre des optiques, enfin, je n'ai pas de nom en tête comme ça, mais il y a des optiques qui nous permettent d'avoir des zooms hyper puissants de qualité exceptionnelle. Par contre, on n'est pas dans les mêmes tarifs. Hein, donc, mais pour moi, un professionnel aujourd'hui, s'il veut faire de la bonne photo, ça sera du réflexe. Clairement, hein, je pense pas que ça puisse être autrement aujourd'hui. Dans quelques temps, dans 5-10 ans peut-être, on pourra en reparler. Mais aujourd'hui, voir la différence est flagrante. L'euro est 10 fois mieux traité avec du numérique, donc un format de photo. Même si les iPhone et autres smartphones commencent à le gérer, ça devient compliqué quand même pour eux d'aller aussi loin. Et puis, un truc qui m'a le plus étonné, c'est les gens qui vont dans des concerts. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, hein, mais c'est les gens qui vont dans des concerts, dans des matchs ou n'importe où, et qui prennent des photos avec des tablettes. Alors, iPad en premier, hein, vous avez vu les gens avec leur iPad en train de faire des photos d'un concert. Alors, du coup, on voit, nous, si on est derrière, on voit ce que l'iPad voit, hein, du coup, parce que c'est tellement grand que ça nous gêne tous. Et les Chromebooks, pareil, hein, ça arrive de plus en plus. Pour moi, assez compliqué, c'est possible, mais a priori, il y en a qui le font, donc je ne vais pas dénigrer. Je n'ai pas encore compris l'intérêt. Donc, si dans la chat room, vous utilisez une tablette pour faire vos photos dans un concert, n'hésitez pas à me le dire. Hein, c'est assez étonnant. Hein, assez étonnant, pardon. Effectivement, avoir un réflexe, c'est aussi un bel appareil. Effectivement, c'est un objet qui est juste et magnifique. Et puis, ça donne pas mal d'autres solutions. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord un petit peu avec moi dans la chatroom ou Laurent et Thierry sur les différents produits ou Oui. Moi, je trouve que même à la limite, maintenant, avoir un smartphone uniquement pour photographier, si on n'est pas professionnel, en dehors du professionnel, vu les millions de pixels qu'on trouve maintenant pour un appareil comme un smartphone Pixel, par exemple, puisqu'on ne va pas parler des autres, hein, on ne va pas parler des iPhones, c'est ça. Je trouve que ça suffit largement. Ce n'est pas la peine d'avoir 20 millions de pixels par je ne sais plus combien pour prendre un moment en train de faire coucou alors qu'elle se trouve dans l'eau en train de faire, ou alors le petit dernier qui est en train de se barbouiller la figure avec du chocolat. Je pense que c'est plus facile pour l'utilisateur standard d'avoir son appareil photo, c'est-à-dire son téléphone sur soi. On prend la photo, on est sûr qu'on l'aura et on est sûr. Parce que faut pas oublier, faut avoir quand même le réflexe d'ouvrir la liaison entre, qui doit se faire normalement automatiquement entre son compte et Google Photos. Normalement, toutes les photos qui sont prises à partir du moment où vous avez un appareil Android et que vous avez un compte Google, automatiquement elles sont transférées sur Google Photos. Ça, on le redira, mais il y en a beaucoup qui ne le pensent pas. Voilà. Ouais, on en reparlera également puisque d'autres ont des idées différentes. Vous donne ce résultat. Ah. J'avais dit couper son assistant personnel. Alors, justement, deux écoles, on y est, Laurent, merci pour la transition. Cloud ou local. Quelle est la meilleure des deux solutions? Moi, je vous ai mis, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous ai mis une slide avec des idées que j'avais, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a enfin, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai mis d'un côté Google Photos et Cloud. Pour moi, c'est la même chose, mais ça nous permet pas mal de choses. L'automatique, comme tu le disais, Laurent, l'avantage, c'est d'une sauvegarde automatique de nos photos. Tu prends ta photo, elle se synchronise dès que tu as un réseau Wi-Fi ou 3G, 4G en fonction de ce que tu as présélectionné, prédéfini dans tes paramètres. Le côté, bah forcément, vu que c'est synchronisé sur du cloud, pardon, le système de multi-appareil, tu retrouves sur ton Chromebook, ton smartphone, un autre PC, un Mac ou n'importe quoi, tu peux, en accédant à ton compte Google Photos, directement voir les photos. Donc ça, c'est parfait. Ça permet, au cas où, si tu le perds, d'avoir une sauvegarde automatique. Ça évite de pleurer parce qu'on ne peut plus refaire la photo.
C'est du stockage sur du Google Drive, le cloud, donc comme je disais. Attention, je l'ai surligné sur la présentation parce que hormis certains téléphones Pixel, Google n'offre plus le stockage illimité des photos depuis, ça fait quoi, 3-4 mois, je crois, dans mes souvenirs, Laurent. 1er juin. Voilà. Donc, depuis 1er juin, il n'y a plus de stockage illimité des photos et chaque photo est stockée sur le. Enfin, prend un espace de stockage sur Google Drive. Donc, moyen, je trouve. C'est dommage que Google ait changé, mais je comprends pourquoi, parce qu'à un moment, le stockage, on fait de plus en plus de photos et le stockage, c'est pas gratuit. Sachez que vous pouvez sauvegarder sur d'autres produits comme Dropbox, OneDrive, Mega, iCloud, enfin, ce que vous voulez. Après, il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre, même si sur un Chromebook, ça sera peut-être plus intéressant de mettre sur Google Photos. Mais ceci dit, on peut accéder à Dropbox, OneDrive directement dans l'explorateur de fichiers de Chrome OS. Comme le dit Mathieu, attention, le backup dans le cloud peut coûter cher. Ça dépend, à vérifier avant. Pas vous retrouver avec une facture phénoménale juste pour quelques photos. Surtout que souvent, on fait des photos en rafale. On en prend 4-5 pour être sûr d'en avoir une de bien. Du coup, ça prend un peu de place. Et puis, ce que j'aime bien dans le cloud, c'est aussi la possibilité de le partager très facilement avec ses proches, ses amis, sa famille. D'un simple clic, vous pouvez partager une photo. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Moi, j'utilise cette partie-là principalement. Mais il existe l'autre partie, le local. Alors, certains ne font que l'un ou que l'autre. Moi, je fais les deux et a priori, je ne suis pas le seul. Prof du Web nous le dit également, les deux sont importants. Donc, on a la possibilité de sauvegarder également nos photos autrement, sur un support externe, USB, ce que vous voulez, un NAS. La différence, c'est que ce n'est pas forcément toujours automatique. Alors, on peut automatiser, il existe des solutions, mais on peut... On peut automatiser quand même si on veut. Par exemple, moi, j'ai un NAS Synology, je sauvegarde et j'automatise mes sauvegardes de photos dessus. J'ai une box, Freebox, pour pas la nommer, avec des disques durs, avec 4 baies dedans, donc j'automatise ma sauvegarde de photos. C'est multi-appareil parce qu'on peut prendre la clé USB puis la déplacer, mais si on a un NAS, tous les appareils connectés pourront y accéder. Ce qui est intéressant aussi d'avoir ça en local, c'est que même si on n'a plus de connexion Internet, imaginons que le net tombe en panne un jour, vous avez quand même accès à vos photos. Donc, si un moment de nostalgie vous vient au moment où il n'y a plus de lumière nulle part, vous mettez votre générateur en route et puis vous pouvez redémarrer votre NAS. C'est plutôt sympa. La sécurité. Si c'est stocké chez vous, normalement, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Alors que normalement, je dis bien, parce que ça reste du support amovible, vous pouvez vous faire voler quand même. Donc, l'intérêt, comme le disait Matt, sauvegarder sur les deux, ça peut être très, très intéressant. Oui. Thierry, toi, tu utilises une méthode un petit peu particulière, tu m'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous la détailler? Oui, alors bon, c'est plus sur la solution logicielle. Juste pour reprendre ce que Prof du Web disait entre le hot backup et l'autre solution, donc effectivement le hot backup va être la solution dans le cloud parce que ça va être la synchro automatique. Maintenant c'est en train de se mixer parce qu'il me semble qu'il y a aussi des appareils réflexes mais qui ont par exemple une puce Wi-Fi qui permet aussi une synchro dans le cloud, etc. Donc, je pense que c'est simplement deux stratégies qui peuvent se mixer comme on disait. Alors, je suis sûr qu'on pourrait faire un épisode complet sur les stratégies. Si vous cherchez sur le net, il y a plein de solutions. Je suis en train de voir le commentaire justement de Prof du Web. Mais le NAS, s'il y a un incendie, d'où l'importance d'avoir les deux. C'est exactement ça. C'est qu'on rentre dans les. C'est même plus large que les photos. C'est la notion ensuite de stratégie de sauvegarde. J'essaie d'éviter les anglicismes. Donc voilà, effectivement, il y a différentes solutions. Il faut peser le pour et le contre par rapport au coût, au risque, etc. Oui. Maintenant, pour répondre à ta question, on en parlera peut-être plus en détail sur un petit peu plus tard, mais c'est plus sur la manière de sauvegarder. J'utilise effectivement le cloud, mais sans utiliser en tant que tel directement Google Photos. Bien comme ça, moi, j'utilise un outil de synchronisation qui me permet donc de synchroniser mon téléphone avec, en l'occurrence, Google Drive, mais je pourrais le configurer pour être sur d'autres solutions de type AWS ou d'autres solutions cloud, ou aussi sur du NAS, donc de type Synology.
À nouveau, voilà, il y a plein de solutions qui se mettent en place. Simplement, je dirais le cloud, comme ça, très rapidement, j'aurais envie de dire, les personnes qui débutent, qui prennent des photos avec leur téléphone, partez dans le cloud parce qu'il n'y a rien à faire. Comme on disait, surtout sur Android, avec Google Photos, c'est automatique, mais je suis sûr que sur iOS, très certainement qu'avec iCloud, il y a aussi la solution de sauvegarde automatique. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus perdre de photos. Il ne faut pas oublier que l'avantage du cloud, Google Drive ne va pas soudainement s'effondrer. Ça peut tomber en panne, mais ça ne va pas s'arrêter. Pour les personnes ensuite qui vont être plus sur du réflexe, bien comme ça, ils vont être plus amenés à manier des cartes mémoire. Donc, il y aura de toute façon une action manuelle à faire, sauf cas particulier. Et je pense que souvent, dans ce cas-là, ils seront plutôt dans la colonne de droite avec du nassinologie, ce genre de choses. Effectivement, ouais. Le logiciel, il est compatible Chrome OS, c'est ça ? Non, c'est sur le téléphone. Le logiciel en tant que tel, donc, s'appelle FolderSync. Il est téléchargeable donc, sur le Play Store. Je ne sais pas s'il existe pour d'autres systèmes, mais je pense que sur iOS, ça ne marcherait pas parce qu'on n'a pas accès au système de fichiers. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que donc forcément, les photos prises sur le téléphone sont sauvegardées dans un dossier particulier. C'est souvent un dossier qui s'appelle Decim. On retrouve ça aussi sur les cartes mémoire. C'est relativement un standard. Et donc, en fait, je configure une synchronisation pour dire mon dossier local, donc Decim, je le synchronise avec un dossier bien particulier dans Google Drive. Et ça me permet à ce moment-là d'avoir l'accès directement à Google Drive. Mais je sens que potentiellement, avec les slides suivants, je sens bien qu'on va me proposer une autre solution et que je vais assez vite abandonner cette solution que j'utilise pourtant depuis quelques années. Mais effectivement, moi, c'est parce que je vais avoir accès directement dans Google Drive et pas passer par Google Photos, parce que j'organise mes photos par dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier, et ainsi de suite. Effectivement. Laurent, tu voulais ajouter des choses ? Oui, je voulais dire simplement, pour le KIDAM moyen, je ne parle pas du professionnel, tu veux l'utiliser, de la photographie comme professionnel. Moi, je vois le côté KIDAM moyen. Il y a combien de professionnels de la photo, il y a combien de KIDAM moyens qui vont tous les jours faire des photos ? Des milliards. Hein ? Si vous, on est bien d'accord quand même, je veux dire, ils sont pas légion, quoi. Je veux dire, le professionnel de la photographie, il n'est pas légion, il y en a, mais je veux dire, on n'en retrouve pas tous les quatre, il n'y en a pas un tous les coins de rue. Ce que je veux dire par là, c'est que tous ces problèmes-là de mettre sur des NAS, sur des ceci, sur des cela, pour moi, ça ne sert à rien. Alors, je m'explique. À partir du moment où on a, que ce soit sous iOS ou sous Android, les systèmes sont faits qu'on a des sauvegardes automatiques d'envoi de nos dossiers, de nos fichiers, de nos photos, de tout ce qu'on fait sur l'appareil photo, sur le téléphone, pardon, appareil photo, donc, et est renvoyé sur le cloud. Alors, ça doit être pour Apple, ça va être iCloud, pour Google, ça va être Google Photos ou Google Drive, et puis je ne sais plus comment pour Apple concernant les fichiers. Bon, tout ça, c'est envoyé automatiquement. Vous pensez bien que Google ou qu'Apple ont quand même des sauvegardes qui sont faites continuellement de manière automatique, qui font que toutes vos photos, vous les aurez toujours, quel que soit l'appareil que vous reprendrez à partir du moment où vous mettrez votre compte Google. Estampillé avec votre compte Google, votre compte Apple, si vous mettez estampillé votre nom, votre prénom, votre date de naissance et puis votre login, votre password, vous retrouvez vos petits, comme on dirait vulgairement. Donc, je veux dire qu'à la limite, les cartes, les NAS, pour moi, je vais te donner un exemple, Nicolas. J'ai un NAS, il a 4 TO, il est vide. Quand je l'ai acheté, ouais, il est vide. Bah oui, bah. Quand je l'ai acheté, oui, je vais te l'envoyer. Oui, si tu veux, je peux te l'envoyer. Oui. C'est un lacis en plus. Tu verrais le banc, tu verrais le truc. C'est, tu sais, c'est genre gros boîtier, quoi. C'est pas le petit, c'est le gros, tu sais, avec un gros bouton bleu. Bon, bref, il est vide. 4 ou 6, j'en sais rien. Bon, bref, 6.
je réfléchis sans cesse. Pourquoi avant je mettais mes photos, puis un jour je me suis dit, mais à quoi ça me sert de remettre mes photos? J'ai tout balancé sur Google Photos et depuis je suis tranquille. Mais tranquille, oui, mais de tranquille. À l'époque, c'était illimité. Ben oui, mais le gratuit, c'est toujours gratuit à partir du moment. Ce n'est plus gratuit à partir du moment où tu rajoutes des photos. Mais les photos que tu avais avant le 1er juin 2021, elles seront toujours là. Oui, Par contre, hein, on est bien d'accord. Sûr, par contre, des personnes qui font beaucoup de vidéos, parce qu'on parle des photos, ce n'est pas tant les photos qui posent problème, ça va être les vidéos. Et on fait des vidéos avec des résolutions de plus en plus élevées, donc des tailles de fichiers de plus en plus grosses. Donc à partir de là, tant que tu restes dans un stockage complet à 100 gigas, même 200 gigas, voire même 1 tera, ça va encore. Mais moi, je vois deux problèmes pour les personnes qui font pas mal de vidéos. La première, c'est le coût, dans le sens où à un moment donné, le coût du cloud devient relativement important. J'en vois même trois, en fait. Il y a le coût du cloud en tant que tel. Il y a, dans l'absolu, la bande passante. Je suis bien placé pour le savoir, je suis encore en ADSL. Si je prends beaucoup de vidéos, ben, je n'aurais pas le choix que de faire un stockage local parce que je n'aurais jamais le temps de synchroniser correctement dans le cloud avec un débit inférieur à 1 méga. Et le troisième, et là, je ne veux pas lancer le débat, mais c'est un point à prendre en compte, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas stocker dans le cloud parce que pour eux, une photo mise typiquement chez Google est visible de tout le monde. On sait que ce n'est pas vrai, mais en attendant, il y a des gens qui vont avoir ce raisonnement. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux écoles et qui peuvent potentiellement se tenir. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux, pour moi, le problème, c'est qu'on perd du temps. On perd du temps de stocker. Je veux dire, la technique est telle que maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité de ne plus perdre de temps. Avant, il fallait prendre je suis d'accord avec toi. Hein, je faisais du NAS, hein, Synology et compagnie. Je stockais. J'étais comme tout le monde. Et je me perdais du temps. Je perdais du temps parce qu'il fallait trier, archiver, se dire est-ce que je l'ai bien? Est-ce qu'il est bien là? Alors, je faisais une. Alors, pour rejoindre un petit peu ce que disait prof du web, les sauvegardes. Alors, j'avais une sauvegarde le lundi, j'avais une sauvegarde le mardi et j'avais une sauvegarde le mercredi. Mais en plus, j'avais une sauvegarde le week-end, c'est-à-dire le dimanche, et j'avais une sauvegarde pour le mois. 5 sauvegardes pour avoir des photos que je n'ai pas regardées, que j'ai plutôt mis au bout dans un stock Google. Ça me faisait perdre du temps. Voilà. Bon, on est d'accord. Toi, Nicolas. La difficulté, c'est que en fait, on prend de plus en plus de choses en photo. On ne vit plus l'instant présent. On prend en photo. On prend des photos tout le temps. Elles sont plus ou moins réussies hein, la plupart du temps, et on en prend tellement que bon, on ne sait plus. Donc, ce qui est bien, c'est de faire du ménage de temps en temps déjà dans toutes les photos qui sont inutiles. T'imagines si à l'époque nos parents faisaient toutes les photos de tout ce qu'on faisait, ils auraient des livres et des livres complets de photos, mais il faudrait des maisons entières pour remplir des entrepôts entiers pour stocker les albums photos. Aujourd'hui, on ne vit plus l'instant, on le vit à travers le cadre de notre appareil photo numérique, et puis on se remémore les bons moments qu'on a passés avec nos amis à les prendre en photo. Tu vois, eux, ils se sont amusés, mais nous, on les a pris en photo pendant qu'ils s'amusaient. Donc, des fois, il faut peut-être réfléchir un petit peu à ça, éviter de prendre trop de photos et supprimer toutes celles qui servent à rien, qui sont floues. L'autre fois, j'ai fait un tri dans les miennes, j'avais 8 ou 9 photos de la même personne, mais à quelques minutes d'intervalle, quelques secondes d'intervalle, et j'avais sauvegardé la totalité des photos, alors qu'une seule me suffisait, donc j'en ai gagné 8 pour une, en sachant qu'elle faisait 30 ou 40 mégas. Je suis pas d'accord avec toi là, tu vois, Nicolas. Là, je ne veux pas rentrer dans un débat, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Sauvegarder des photos, ça veut pas dire. Et prendre des photos, ça ne veut pas dire qu'il faut garder la meilleure. Je m'explique. Je vais faire un parallèle un petit peu. Alors, la meilleure à tes yeux, c'est pas forcément la plus réussie. C'est la meilleure à tes yeux. Mais attention. Ce que je veux dire par là, c'est, je vais essayer d'être condensé, rapide, parce que ça fait déjà trop longtemps qu'on parle. Aujourd'hui, je prends une photo. Alors, je prends une série de photos. Clac, 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 et puis je me dis, oh bah celle-là, elle est bien. Et les autres, je les mets à la poubelle. Ok. Mais de l'autre côté, les autres photos que j'ai mises à la poubelle, peut-être que dans 10 ans, elles seront plus belles que celles que j'ai gardées. Voilà ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là,
il vaut mieux garder toutes les photos, même si ça prend un peu de place. Un peu de ouais, place. Je suis pas sûr de ça, mais on pourra en reparler effectivement dans un prochain épisode. Est-ce qu'on doit garder toutes les photos ou pas? On va continuer. Merci Laurent. On va continuer parce que une fois qu'on a choisi où on allait stocker nos photos, comment on fait pour les transférer si on n'utilise pas la synchronisation sur un Chromebook? Alors on remet dans le contexte. Hein, il faut savoir qu'on est sur Chrome OS, sur Chromebook, et on n'a pas les mêmes outils que sur Windows. Donc pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant sur Chrome OS, ils peuvent se dire, mais comment je vais faire pour récupérer mes photos sur mon téléphone, sur mon Chromebook depuis mon téléphone? Alors, c'est super simple, c'est des rappels de base. Hein. Vous le savez peut-être tous qui êtes dans la chatroom, on connaît son smartphone Android, il va être reconnu automatiquement par le Chromebook, et dans la barre des notifications, vous aurez la possibilité de choisir les préférences USB. Il faudra choisir simplement transfert photo PTP pour que d'un seul coup, le dossier DCIM que tu disais Thierry, apparaissent dans le cadre de gauche de notre application fichier. Ensuite, un simple glisser-déposer suffira pour les ramener sur votre Chromebook. Alors, vous pouvez les mettre sur le Chromebook, mais vous pouvez les sauvegarder sur Drive, OneDrive et compagnie, hein, depuis l'explorateur de fichiers avec un simple glisser-déposer. Moi, je fais ça tous les jours, enfin tous les jours, très souvent, et c'est plutôt intéressant. Sur Chromebook, il y a plusieurs solutions. On l'a dit, évidemment, Google Photos. Privilégier peut-être, alors il y a deux applications, hein, Google Photos pour Chrome OS, il y a l'application Android que je vais privilégier moi et la PWA de Google, donc Google Photos, c'est la page web que vous allez pouvoir ouvrir mais qui donne moins d'accès. Je vais privilégier l'application Android car elle permet de synchroniser automatiquement les photos, elle permet de faire des modifications directement sur la photo, du recadrage, du faire pas mal de choses. C'est un outil de base, hein, bien sûr, mais qui a pas mal de fonctionnalités. Et puis, si vous avez un appareil photo numérique, alors pas argentique, hein, quoi qu'il y a des solutions, mais si vous avez un appareil photo numérique, vous pouvez simplement prendre la carte mémoire, la glisser dedans ou dans votre Chromebook. Alors, si c'est de la micro SD, ça va être très simple. Si c'est de la micro SD, j'ai perdu le terme, c'est un peu plus complexe, mais il existe des hubs. J'en parle souvent du hub interactif, du hub que j'utilise chez Or. Anciennement OK, qui permet de rajouter un lecteur de carte externe. Donc, utiliser un hub, ça va très bien marcher. Sinon, branchez simplement votre appareil photo. Et la plupart des appareils photo numériques aujourd'hui, Canon, Nikon et compagnie, Sony même, quand vous les branchez, c'est du plug and play, ils vont être détectés par l'application fichier de Chrome OS. Donc, c'est très, très simple de transférer une photo. Un truc intéressant, on va avoir donc dans quelques temps, alors je l'ai testé il n'y a pas longtemps, mais l'image est tellement moche que je ne vais pas vous la montrer, dans Phone Hub, vous savez, la partie d'interaction entre votre Chromebook et votre smartphone Android, où tout ce que vous faites sur votre smartphone, vous le retrouvez sur votre Chromebook, et bien, dans quelques temps, vous allez voir arriver la possibilité de glisser-déposer depuis Phone Hub directement les dernières photos que vous avez prises. Un simple glisser-déposer, ça va fonctionner sans même rien synchroniser, enfin, sans même rien brancher, ni aller chercher sur Google Photos. Quelque chose qui est hyper sympa. Pour l'instant, c'est un petit peu, c'est que dans la version 95 en Canary, donc c'est pas très joli, mais ça va arriver et c'est plutôt intéressant à installer quand ça arrivera. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour transférer les photos physiquement, puisque si elles sont synchronisées sur le cloud, on n'a pas besoin. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous avez en tête, Laurent? Non. Thierry? Non. La disquette. C'est une idée. Ça n'a plus la même signification pour une disquette maintenant. Donc non, je sais. Donc voilà, faire attention à ça, c'est simple, ça se branche, ça marche et c'est plutôt facile à utiliser. Ensuite, une fois qu'on a nos photos sur notre Chromebook, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut les retoucher? Alors ça, je l'entends très très souvent. Non, un Chromebook ne permet pas de faire de la retouche de photos, ne permet pas d'améliorer, de corriger une photo. Eh bien, je suis tenté de vous dire que si, mais vous le saurez après la page de pub Tipeee. Eh oui, t'as vu l'enchaînement? Ah, vous le saurez juste après la page de pub Tipeee. Parce que...
Parce que, vous savez, My Chromebook et le CKB Show sont soutenus par un financement participatif. On a choisi Tipeee parce que Tipeee, c'est francophone et on aime bien aider les entreprises francophones. Et ce Tipeee, ben, c'est vous nous donnez 1 euro, 2 euros, 10 euros, 3 euros, 40 euros, ce que vous voulez. Bref, vous faites des sous, des sous, des sous. Ça nous permet de continuer à vous aider. Ça nous permet à payer nos serveurs. Pour l'instant, ça ne nous a pas payé encore le repas, quoiqu'une fois. Merci. Merci à Joseph d'ailleurs pour ce magnifique repas qu'il nous a payé indirectement. Il a payé à l'ensemble de l'équipe un repas. C'était grand, merci à toi. Et puis, ça nous permet de nous rassembler pour échanger plus et toujours trouver de nouvelles idées. Et donc voilà, si vous voulez nous soutenir, ben, on vous donne un peu moins de pubs sur le site mychromebook.fr. On vous donne un accès à un chat privé sur le site mychromebook.fr. Et puis évidemment, la joie de nous soutenir, je crois que c'est ce qu'il y a de maximum dans les bénéfices qu'on peut avoir sur un Tipeee quand on est tipeur. Alors, si vous avez envie de faire comme Richard, comme Thomas, comme Joseph, comme tous ceux qui nous soutiennent, allez sur tipeee.com/mychromebook-6fr et puis ben, vous faites ce que vous voulez, vous donnez 1 euro, 10 euros, il n'y a pas d'engagement, vous arrêtez quand vous voulez. Si un jour ça ne vous plaît plus ou vous n'avez plus les moyens tout simplement de nous soutenir, ben, vous arrêtez votre Tipeee et puis vous reviendrez quand vous aurez le temps. Et puis si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas envie de nous donner de l'argent, je peux le concevoir, allez abonner de force vos amis au CKB Show. Vous allez sur les applications de podcast. Alors, on est sur Apple Podcast, c'est facile. Allez sur Apple Podcast et abonnez-vous au CKB Show. Enfin, abonnez-les au CKB Show. Sur Google Podcast également, Spotify, il y a quoi d'autre, Pocket Cast. Enfin bref, abonnez tout votre entourage au CKB Show. Et on sera ravis d'avoir encore plus de monde qui nous écoute. Et tous les jours, je compte le nombre d'abonnés. Et s'il y en a un qui s'en va, je vous préviens, eh ben, ça va mal se passer. Bon, voilà, la page de pub est faite. Comment on travaille sur des photos sur un Chromebook? Alors, je voulais lister quelques outils que moi, j'utilise personnellement. Et j'ai vu dans la chatroom que je n'étais pas le seul à les utiliser. Comment on corrige, comment on améliore des photos sur un Chromebook? Pour certains, merci Matt, vous pouvez évidemment faire comme Matt, de nous soutenir sur YouTube pour ceux qui nous suivent en live en nous faisant des super chats. Merci à Matt, je vais t'afficher en grand pour ton soutien. Soutenez le CKB Show, dit-il. Faites comme Matt, soutenez le CKB Show. Merci à toi Mathieu. Donc sur les photos, j'utilise plusieurs logiciels de retouche, de correction d'image. Alors je vais commencer par celui qui est payant et que j'adore payer. C'est rare qu'on dise qu'on adore payer les choses, mais quand c'est bien, il faut le dire. Moi, j'utilise Lightroom sur mon Chromebook et je crois qu'on est plusieurs. J'ai vu Alain et je crois Richard, dans mes souvenirs dans le chat, qui utilise Lightroom pour corriger les photos en RAW. Donc Lightroom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de la société Adobe, hyper complet. Alors, c'est pas du Photoshop, hein, on va pas amaigrir une personne, on va juste changer la colorimétrie, on va aller corriger des points par-ci, par-là avec des systèmes de correction très pointus. Et ce qui est génial sur un Chromebook, je ne sais pas si vous le savez, Laurent et Thierry, c'est qu'ils sont tous tactiles, les Chromebooks, quasiment. Allez, 99% des Chromebooks sont tactiles. Ouais. Ouais. Ah bon, mieux encore, ils sont compatibles USI. Vous savez, la norme pour les stylets. Ah bon ? Et ce qui fait que quand vous prenez un stylet USI, que vous lancez Lightroom, vous faites de votre Chromebook une tablette graphique. Non. Non, ouais, c'est donc un ordinateur. Ouais. Ça vous permet de jouer. C'est une console de jeu, n'oubliez pas Google Stadia. Et vous avez maintenant, c'est devenu une tablette graphique. Ça vous permet de travailler. Enfin bref, un Chromebook, c'est le couteau suisse, tu vois, de l'informatique. Ah bah tu m'en diras tant. Ouais, mais et ce qui est génial, c'est que avec le stylet, moi je refais toutes les retouches. Alors sur le site mychromebook.fr, quand vous voyez des photos qui sont faites par moi, elles sont toutes passées sur Lightroom parce que j'aimerais une colorimétrie bien particulière, donc que j'essaye d'appliquer. J'ai fait un filtre que j'applique à toutes mes photos, et puis je vais par-ci par-là pointer deux trois petites erreurs. On voit une trace de doigt, on voit un minon, enfin je sais pas comment ça s'appelle, une poussière sur la photo. Ben, je vais aller la retravailler point par point, et c'est hyper précis avec les stylets USI. Donc j'utilise, pour la petite histoire assez marrante, j'utilise de temps en temps ma tablette Ideapad Duet, vous savez, la petite tablette qui n'a pas de puissance, avec Lightroom dessus. Je fais du traitement de photos et j'utilise mon stylet USI pour faire l'ensemble. Certains vous diront c'est impossible. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est parce qu'on m'a dit que c'était impossible que je l'ai fait. Ah,
Voilà. Richard nous dit qu'il utilise GIMP, bah, évidemment, une solution logicielle exceptionnelle aussi, qu'on pourra en parler un petit peu. Une autre, alors deux que j'aurais voulu fusionner dans les deux. Vous l'utilisez, Lightroom, Thierry, Laurent? Non, ça vous dit quelque chose? Non, enfin, non, ça vous dit quelque chose, non. Oui, non, mais je connais, mais bon, je n'ai pas des besoins importants, moi, au niveau de la photographie, tu sais. J'utilise Google Photos, Snapseed, puis bon, de temps en temps, Vectre. Et puis voilà quoi. Alors pour répondre à Matt, Lightroom, oui, c'est Cloud, c'est une PWA. Non, alors non. Alors oui, mais tu l'as en cloud. Alors tu as deux versions. La version cloud, évidemment, en PWA si tu veux, mais moi j'utilise la version Android, qui est donc en local sur mon Chromebook, mais qui sauvegarde mes photos sur le cloud quand même quand elles sont retouchées, ce qui me permet de passer d'un appareil à un autre et de continuer mes retouches comme je veux. Donc du coup, à choisir, je prends celle-ci que j'adore, mais il en existe plein d'autres, hein, évidemment. D'ailleurs, vous nous le dites tous dans le chat, hein, je suis en train de vous afficher, il y a des alternatives à Lightroom comme Darktable ou RAW Therapy. Oui. J'aime bien le nom, je ne la connaissais pas, mais je vais aller jeter un œil. Merci Alain pour ça. Ça me fait plaisir de la connaître. Et donc après, on va passer dans des produits. Donc tout cela sont ben, Darktable, c'est gratuit. Hein. Google Photos et Snapseed, c'est deux applications de Google. Je ne serais pas étonné que l'une disparaisse pour l'autre. En l'occurrence, Snapseed va, à mon avis, à mon sens, faire partie du cimetière dans très peu de temps parce que Google Photos acquiert des fonctionnalités que cette option, que ce logiciel a de plus en plus. Sans être très avancé, c'est très pratique pour de la retouche rapide. Il y a des filtres déjà préétablis que vous pouvez remodifier, vous pouvez recadrer, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses hein, sur la photo et je trouve ça plutôt exceptionnel. Donc, Google Photos et Snapseed sont plutôt bien si vous ne voulez pas investir d'argent pour l'instant et être sur du cloud ou même pas. Hein, avec l'application photo, vous pouvez la stocker sur le produit et c'est gratuit. Hein, donc, pourquoi hésiter des fois hein, essayez-le. De toute façon, ça ne marche pas, ça ne vous a pas coûté grand-chose. Et puis, ben, y a les outils web, il y en a de plus en plus. J'ai oublié de marquer les outils Linux hein, parce qu'il y en a pas mal aussi. Hein, donc, Darktable, je crois d'ailleurs, c'est Linux, hein, tu me diras Alain. Mais oui, il y a les outils web. Alors, tu en parlais, Laurent, tu me citais... t'as cité lesquels d'ailleurs? Vectre. Alors moi, c'est celui-là, moi, je l'utilise énormément parce qu'il est pratique. Et très bien, je l'ai mis en PWA. Moi, je ne me suis pas ennuyé, je l'ai mis en PWA sur ma Chromebox. Et puis, Barouille Jeunesse, j'utilise que ça. Alors, en plus, après, bon, bah, si on veut, comme tu disais, il y a Snapseed. Snapseed est très bien. Moi, je trouve, je reviens un petit peu sur ce produit parce que, on peut y faire des calques qu'on peut imposer au niveau de l'esthétisme, par exemple mettre des traits ou alors la police de caractère qu'on veut mettre, des petites choses sur une photo. C'est intéressant quand même, je trouve. Voilà. Ouais. Bah, ok. Thierry, tu en as en tête? Tu as vu ou entendu passer des produits qui permettaient de la retouche photo? Je les connais tous de nom, à part Lightroom, je les ai tous à peu près utilisés. Mais je dois avouer que je pense que s'il y a bien un domaine où je suis nul, c'est la retouche photo. Ouais, et d'ailleurs, t'en as eu l'expérience à chaque fois pour des articles que je voulais faire des petites modifs sur une photo parce que je faisais une impression à l'écran, je voulais ne serait-ce que masquer quelque chose, bien comme ça. Au bout d'une heure, je t'envoyais un message, je vous en laisse tomber, fais-le, j'arrive pas. Donc, ouais. Après, c'est chacun son truc. Hein, je te dirais, hein. Ça prend du temps. Voilà. Donc, comme le dit Alain, on a Darktable qui est disponible sur Mac, Windows et pour Linux. Donc, en fait, voilà, on a un panel d'outils hyper intéressant qui fonctionne très bien. Je les ai pas tous utilisés. Darktable, je crois que j'ai fait un article, j'avais testé il y a très très longtemps et que j'avais trouvé plutôt sympathique à utiliser. Donc voilà, un panel d'outils qui pourra satisfaire tous ceux qui ont envie de faire de la retouche de photos sur son Chromebook, parce que oui, c'est possible. Dis-moi Laurent, tu voulais en rajouter un autre? Non. Moi, ce que je trouve quand même formidable, c'est qu'avant, il y a encore quelques années, on était obligé pour faire de la retouche photo de passer par un ordinateur qui était de bureau. Ensuite, on est passé sur des ordinateurs qui étaient portables.
Et maintenant, on est avec un petit téléphone qui n'est pas plus grand qu'un téléphone hein, qu'on a, parce que bon, il y a des smartphones, bien sûr, qui sont immenses, mais bon, la moyenne, c'est ça tient dans la main. Et c'est quand même incroyable de voir qu'on est capable maintenant de modifier, de mettre des effets sur une photo qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10 ans. C'est des choses quand même qui sont incroyables. Voir qu'un petit appareil comme ça, bon, je sais, c'est puissant, est capable quand même maintenant, aujourd'hui, de nous permettre de garder, de faire la photo, de la stocker dans le cloud, c'est-à-dire de l'envoyer, et en même temps, on peut la modifier. Et tout ça, je veux dire, presque en marchant, en étant dans le métro, dans le bus, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est devenu commun. Il y a 10 ans, on aurait dit oui, bah c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, ça existe, c'est formidable, je trouve. Petite aparté pour Google Photos. Si vous êtes abonné Google One, maintenant dans Google Photos, ils réservent des fonctionnalités aux utilisateurs abonnés Google One, donc les utilisateurs payants de Google One, et ils vous donnent des fonctionnalités avancées qui sont assez intéressantes avec des filtres encore plus poussés. Ils vont aller vous chercher les yeux rouges, ils vont vous les enlever directement. Alors c'est sûr que si par nature vous avez les yeux rouges, c'est embêtant parce qu'ils le font automatiquement, mais je crois qu'on peut le remodifier dans le cloud. Oui, on peut le remodifier manuellement. Après, il y a plein de petites fonctionnalités qui arrivent. C'est pour ça que Snapseed va disparaître, à mon avis, parce que l'autre, de Google Photos, devient très, très complet. Il est beaucoup plus connu aussi. Hein. Et ce qui est génial, comme le dit Mathieu, c'est pas que nos photos sont moins bonnes sur Android, c'est juste qu'on a le souci du détail quand on a un smartphone Android et qu'on aime la perfection à l'état pur. Ce petit troll également. Hein. On fait des flows et des notes, comme ça on peut les corriger directement. C'est ça. Et ce qui est génial, vous prenez votre photo dans Google Photos, vous la retouchez tout de suite avant même qu'elle soit synchronisée. Donc moi, j'aime bien ce truc-là. Ça permet d'avoir tout de suite, si tu veux l'envoyer, d'avoir quelque chose d'à peu près propre et en quelques clics et tout utilisable au doigt. Hein. Ça, c'est bluffant aussi. Des applications, plus en plus d'applications sont utilisables avec les doigts. Plus besoin de stylet, de tablette spécifique. Et ça, c'est vraiment bluffant. On continue parce que sinon, on va passer des heures et des heures à parler des applications parce qu'il y en a des tonnes sur Android parce que nous, on a la chance d'avoir un store fourni d'applications. Alors, la question, c'est une fois qu'on les a travaillés, qu'est-ce qu'on en fait ? Papier, numérique, c'est vous qui choisissez, comme dirait l'autre. Alors moi, j'ai mon avis, évidemment. Le numérique, pour moi, je prends la main, hein, je parle tout le temps, hein, j'ai pris de l'eau de toute façon parce que c'est que de l'eau. Dans le numérique, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a disponibles partout, tout le temps, donc je suis très fan du numérique. Ça nous permet de faire des montages, des diaporamas, ça nous permet de pouvoir envoyer des choses à tout le monde. Enfin, vous savez, les diaporamas, les trucs dans les mariages qu'on vous met pour vous rappeler votre enfance, tout ça, ben maintenant, ils sont plus obligés de scanner vos vieilles photos pour les mettre. Ils sont juste à récupérer nos photos directement qu'on leur a partagées sur le drive. Et c'est juste exceptionnel. Ça marche très bien. Je ne sais pas. Moi, du côté papier, j'adore aussi l'idée du papier. Je m'explique parce que ça peut paraître has-been. Hein. Je suis vieux maintenant, je commence à vieillir, c'est peut-être pour ça. Mais le papier, je trouve ça très intéressant de ce côté partage communautaire, mais pas distant. C'est que de temps en temps, vous allez sortir vos vieux albums, le poser sur la table et se rappeler des bons moments, mais ensemble, pas chacun de son côté. Ou alors, tu as un coup de calgon, tu le sors, tu fais « Ah, c'était mieux avant ». Enfin, vous voyez, l'idée de la photo, je trouve ça très intéressant de garder un support physique, les choses les plus importantes. J'aime l'idée de me dire, dans mon portefeuille, j'ai la photo de mon fils ou de ma femme, vous voyez, même si je ne l'ai pas. Hein. J'aime l'idée. Je ne l'ai pas fait, mais j'aime beaucoup l'idée de ça. Je ne sais pas, Laurent, toi, tu es quoi, numérique ou papier ? Ah, complètement. Complètement. Alors là, je suis très jeune, tu vois. Non, complètement numérique. Je suis très, très jeune parce que, alors, si tu as pris un coup de vieux parce que tu dis que tu aimes le papier, moi, je suis très, très jeune parce que je suis pas d'accord. Maintenant, le numérique, c'est justement le partage. Regarde les Chromecast, ça te permet de partager. Tu mets Google Photos, tu regardes, tu as un grand écran, tu regardes sur la télé, c'est terminé. Je veux dire, il y a vraiment… Ça vient tout seul, excusez-moi l'expression, oui, ça vient tout seul. C'est le mot qui me vient à l'esprit, ça vient tout seul. Tu es sur une Chromecast, tu regardes tes photos, tu veux aller par exemple sur ton téléphone, bon bah tu prends ta photo, 10 minutes après, elle est sur ta Chromecast, tu peux la regarder avec tes copains. Je veux dire, même si c'est un film, on parle de photos, mais ça pourrait être un film, c'est pareil. Bon, je parle pas de la transfert entre l'appareil photo et puis le cloud qui revient sur la Chromecast, non. Tout ça, on l'efface. Je veux dire qu'il y a vraiment toutes les,
tout le temps est perdu, tout le temps n'existe plus avec le numérique. C'est ça qui est important. Le temps n'existe plus. Le temps, je veux dire, le temps de ça, c'est tout de suite. Et pour les photos, c'est encore plus flagrant aujourd'hui par rapport à hier. Hier, il fallait sortir. Bon, c'est vrai que le papier, c'est bien. C'est vrai que le papier, ça jaunit, ça peut être joli, même si on fait des albums. Mais je veux dire, le temps de sortir de la commode, l'album. Ah bah, t'as vu, Tati, t'as vu, tu t'assois, ceci, cela. Si on est 4 ou 5, il vaut mieux avoir un téléviseur qu'un album, excusez-moi, mais c'est formidable, quoi. Sur un album, alors il y en a un qui est derrière. Ah, tu vois, oui, alors tu vois rien. Ou alors sur une petite tablette. Tu vois, non, je vois pas, mais je dis rien. Alors que sur une télé, t'es en face, tout le monde en profite, on peut mettre, à la limite, on peut même avoir un dialogue qui s'installe entre les différentes personnes sur une discussion sur la photo, parce qu'on peut la détailler. Voilà. Mais c'est la même chose pour le papier. Thierry, est-ce que tu es plutôt Team Laurent ou Team Nico? Non, je vais dans l'absolu être quand même plus Team Laurent, ne serait-ce parce que maintenant, même si on peut toujours développer des photos, mais bon, c'est pas super pratique. Et quand on cherche une photo, j'ai eu la chance d'avoir une tante qui prenait énormément de photos et les développait. Mais c'est vrai que, je sais pas, chez mes parents, il doit y avoir peut-être, je sais pas, j'ai jamais compté 500 000 photos. Ben, elles sont jamais regardées. Voilà. Parce qu'elles sont dans une boîte et on les ressort pas. Alors que, voilà, quand on dit Google Photos, bien comme ça, même à l'époque des cadres numériques ou par exemple des écrans comme la Nest Hub, si on reste dans les solutions Google, en affichant les albums photos, ça permet de se remémorer des souvenirs. Maintenant, pour autant, le côté papier, ça permet aussi des fois d'avoir 1, 2, 3 photos qu'on va afficher chez soi. Voilà, sous forme d'un... Ah oui. Des cadres, donc des photos particulières, ça va être des photos d'un mariage, d'une naissance, peu importe. Donc j'ai chez moi quand même quelques photos papier qui sont dans un cadre ou qui sont affichées au mur. Mais j'ai presque envie de dire, évidemment, que dans la majorité aujourd'hui, ça va être le numérique, bien sûr. Attention, les personnes, il faut bien comprendre que quand je dis tout ce que j'expliquais côté numérique, c'est dans le côté où on peut trouver des moments qu'on va partager ensemble. Mais par exemple chez soi, avoir des photos dans des cadres sur des murs ou sur des meubles. Là, je suis d'accord avec toi. Il y a pas de photo. Il n'y a pas photo là. Oui, il y en a besoin. Il y en a besoin. Non, c'est pas le jeu de mots. Oui, j'ai fait exprès. Mais ce que je dirais qu'à la limite, le papier, là, je rejoindrai un petit peu Nicolas. Je vais pondérer ma réponse quand même. C'est que l'album photo peut être intéressant si, comme le propose Google Photos, on peut préparer un album photo qu'on va faire imprimer, qu'on va envoyer à une personne. On peut imaginer là, je suis d'accord. On peut imaginer là, tu vois, par exemple, quand tu avais fait un article sur la manière de préparer un album photo pour permettre de l'envoyer, par exemple, à des amis ou, par exemple, un anniversaire, un cadeau de Noël ou je ne sais quoi, eh ben, je trouve ça formidable. Je trouve que, justement, ça permet de, même si c'est pas un album photo par lui-même, puisque c'est un événement, c'est quelque chose qui est plus, je dirais, immatériel tout en matériel. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans, tu parles de Google Book, je crois. Voilà. Google Book, t'as vu la transition? C'est une belle transition. C'est ce que j'aime bien dans Google Book, c'est pas le papier en lui-même, c'est le fait que par défaut, il accède à toutes tes photos et voilà. Tu peux aller piocher dans les 10, 15, 20 dernières années de toutes tes photos et tu vas pouvoir créer un album, pas sur un instant T, un mariage ou un truc comme ça, mais sur une évolution. Et ça peut être amusant d'avoir une évolution sur un enfant, sur un animal, sur une maison, sur toi, enfin peu importe, sur ce que tu veux. Et je ne dis pas d'imprimer toutes les photos, évidemment, hein, Laurent, je suis d'accord avec vous. C'est la photo papier est toujours intéressante parce que je trouve ça plus.
voilà, tu peux l'amener partout. Tu fais un trek, tu l'as avec toi, tu n'as pas besoin de réseau mobile pour autant, tu vois, des choses comme ça. Donc, voilà. Moi, bon, après, je suis numérique à fond. Hein. Je n'ai aucune photo d'affichée, par exemple, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je n'ai pas une seule photo d'affichée. Mais je vais répondre à Matt parce qu'il pose deux, trois bonnes questions qui sont… son écran de sauvegarde, c'est aussi ses photos. Oui, c'est un cadre photo numérique, ni plus ni moins. Hein. Tu l'as sur ton smartphone, ton écran de veille, quand ton écran est verrouillé, bah, tu as la photo principale que tu aimes. Effectivement, ça remplace le photo papier que j'avais dans mon portefeuille. Tu as les télé, comme tu le disais, Samsung, qui font même des cadres, en fait, quand la télé est éteinte, ils te lancent un cadre numérique. Tu vas avoir le Google Cast, le système de cast qui, par défaut, se met en écran de sauvegarde avec, si tu le souhaites, des photos personnelles. Voilà, en fait, il y a plein de systèmes qui te permettent d'afficher des photos chez toi, mais voilà quoi. Après, Matt nous dit, qu'est-ce que vous pensez des cadres photos numériques ? Alors, ça sort du contexte. Moi, j'en ai vendu quand j'étais plus jeune et j'ai toujours Enfin, je trouve toujours pas l'intérêt des quatre photos numériques, à moins qu'ils soient synchronisés avec un cloud peut-être, mais j'ai toujours des difficultés avec ça, parce que il y a un fil qui pendouille, c'est souvent petit, je sais pas, je suis pas convaincu par ce système-là. Les cadres photos numériques, il y en a un qui est très bien, il s'appelle Nest Hub Max. Voilà, par exemple. Voilà. Et en plus, on peut y mettre, on peut avoir la Moteo, on peut avoir ce qu'on veut, mais il peut être le cadre photo numérique. Je trouve ça très bien. Voilà. Oui, là, je suis d'accord, c'est le cadre photo, mais qui est multifonction. Voilà. C'est ça. On va continuer un petit peu, on va parler un petit peu d'autre chose. Hein. Si vous voulez récupérer toutes vos photos qui sont sauvegardées sur Google Photos, comme je vous le disais en sommaire, on a la possibilité de faire une archive complète de toutes ces photos. Alors, il faut avoir un petit peu de temps, hein, parce que si ça fait 20 ans que vous chargez vos photos, vos vidéos, ça va être assez lourd, mais vous allez simplement sur la page google.com/takeout et là, vous pourrez récupérer la totalité de vos archives au format compressé. Pourquoi pas ? Ça vous permet de les stocker peut-être ailleurs que sur votre cloud, et les sauvegarder ailleurs. Par contre, ça prend énormément de place. J'ai tenté une fois de le faire. J'ai beaucoup, beaucoup de photos. J'ai vite abandonné. Mais faut avoir la fibre. Faut avoir la fibre. Mais je suis comme tout le monde ici. On est en ADSL et là, on discute en 4G. Alors, pour vous dire. voilà. On continue, on parle des news rapidement parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et je sais, quand on s'amuse, le temps passe vite, mais là, il passe très très vite. Alors du coup, on va essayer de vous parler des choses qui nous ont un petit peu, qui m'ont un petit peu motivé ces temps-ci sur les Chromebooks et Chrome OS. Je voulais vous parler d'une chose, c'est que parce qu'on me pose la question très très souvent, comment on fait pour rouvrir son Chromebook après l'avoir éteint à l'endroit où on s'était arrêté ? Eh bien, je n'avais pas la réponse. Jusqu'à ce que Google vienne avec deux fonctionnalités expérimentales qui nous permet de rebooter, de redémarrer entièrement notre Chromebook sur notre navigateur Chrome, sur nos applications ouvertes, sur tout ce qu'on avait avant de l'éteindre, ce qui est assez bluffant. Alors, ces deux flags à activer, il y en a un qui s'appelle Full Restore, ça va, et l'autre Arc Ghost Window qui permet simplement de redémarrer complètement notre Chromebook à l'endroit où on s'est arrêté. Alors quand je dis redémarrer, c'est on l'éteint complètement et on le rallume, hein, pas quand il est en veille. En veille, par défaut, il n'y a rien à faire. Mais quand il est complètement éteint et qu'on le rallume, cette fois, on a cette solution-là. Laurent, tu l'avais découvert, je crois, la fonctionnalité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est très bien. C'est superbe. Puis ça te permet de ne pas être. En plus, c'est intéressant, c'est sur les bureaux virtuels. On va pas y aller. Il sauvegarde aussi sur les bureaux virtuels. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous avez. Mais je crois qu'on en avait parlé déjà sur un dernier des CKB Show. On se retrouve avec la possible. On ne perd pas de temps. Le Chromebook est un appareil qui ne fait pas perdre de temps. Voilà. Chrome OS, pardon. Chrome OS je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis, ça te permet comme ça de retrouver tes petits, entre guillemets. Tu fermes ton Chromebook normalement, ta Chromebox. Et puis, tu reviens le lendemain. Ah,
tes petits sont là, et puis tu n'as plus qu'à repartir. Et puis, bah, ça te dit, bah, il faut travailler, mon gars. Bah, il faut travailler. Tu n'as même pas le temps de te détendre. Hop, tu es reparti sur deux rails et puis tu repars pour travailler. Comme ça, indirectement, ça te pousse à utiliser l'application des fois, parce que bon, des fois, tu peux te dire, oh, bah, j'ai une application, bon, j'ai pas envie de regarder, je la regarderai demain, puis le lendemain, oui, oui, oui. Puis tu l'as lancée, là, et puis le lendemain, tu arrives, eh ben, elle est là, ah, bah, t'es obligé d'y aller, quoi. Voilà. Ouais. Alors, je vais répondre à Stéphane à une question. Est-ce que ça sauvegarde aussi les applications Linux? La réponse est pour le moment non, pas encore, mais Google il travaille avec un autre portage, peut-être un autre flag qui va arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, encore un petit peu de patience. Chrome OS est tellement complet qu'ils peuvent pas tout faire d'un coup. Et c'est un peu compliqué, mais ça arrive, hein, t'inquiète pas. Pour répondre à Alain, il a dû désinstaller sur son Pixel parce que pas assez de place. Mon Pixel a 128 gigas. Moi, j'ai pas de problème. Hein, je suis pas obligé de passer sur un iPhone, hein, parce que j'avais pas assez de mémoire. Enfin, voilà. Donc après, ça dépend de la capacité que tu achètes au départ. On continue. Il y a deux trucs qui m'ont hypé ces derniers temps. Là, encore plus que l'autre. Vous l'avez vu, j'en avais fait un article et j'ai trouvé ça tellement génial. C'est deux produits qui ont été annoncés par... alors, tellement génial, je vais pondérer après. Deux produits qui ont été annoncés par HP, un constructeur quand même plutôt connu, qui vient de nous sortir des produits comme une Chrome base. Alors, vous savez, une Chrome base, c'est... comment on appelle ça chez Mac? C'est les iMac, c'est ça? Le tout en... Oui, c'est l'iMac. Donc la Chrome base, c'est l'équivalent de l'iMac, alors un peu moins puissant évidemment, hein, mais c'est pas tout à fait les mêmes tarifs. Mais donc cette Chrome base est exceptionnellement belle, je trouve, en tout cas pour moi. Ce qui est génial, c'est que c'est un écran 21 pouces, donc déjà c'est plutôt confortable pour l'avoir sur mon bureau. Et puis elle a un pied qui est superbe. Ce pied, c'est une enceinte, Bang & Olufsen, c'est ça, avec un son intégré directement dedans. Et là où ils ont fait un truc de fou, c'est que, alors je ne sais pas si c'est utile, hein, mais je trouve ça génial, c'est qu'en fait, on peut faire pivoter l'écran du mode portrait au mode paysage en un seul clic, en un seul mouvement. Alors, certains vont me dire que ça ne sert à rien, mais j'ai regardé l'autre fois, regardez n'importe quel site web. Aujourd'hui, les sites web, il y a deux grands bandeaux gris sur les côtés et noir ou je ne sais pas quoi, et le texte, il est centré au milieu. Bah, quand vous savez ça, la Chrome base, façon portrait, enfin, il n'y a pas photo, c'est normal. Enfin, il faut le lire comme ça, le web. On le lit de haut en bas et sur un format très réduit au centre. Et je pense que c'est la meilleure façon de lire un site web. Par exemple, si vous ouvrez une application comme Instagram, c'est tout au centre. TikTok, c'est tout au centre. Toutes les applications Android, très souvent, sont très centrées. Et je trouve que ce produit, il est assez sympa et très joli. Alors, pas très puissant malgré tout, on est sur un écran 1080p, on est sur un Pentium Gold 645 et puis 4 Go de RAM. Alors, il y aura sûrement une fonctionnalité, des versions au-delà de ça, mais pour l'instant on est sur une version de base. C'est un produit, pour répondre à Matt, j'ai pas le prix en tête, je crois que Laurent, si tu as le temps, tu peux aller jeter un œil. Il me semble que c'est 800€, un truc comme ça, c'est relativement cher, hein, pour une Chrome base. Mais tout est fourni, il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. Ils mettent l'accent sur le fait d'avoir un petit commutateur pour cacher la micro, éteindre le micro, éteindre la webcam ou éteindre les deux. Voilà, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, mais ça existe. En tout cas, c'est super beau. Et je trouve ça, oui, les diagrammes aussi, ça va être très bien de les afficher comme ça. J'aime bien l'idée, je suis curieux de le tester, donc j'ai déjà envoyé un petit message. 500€. 500 $ pour l'instant. Donc, on fait une équivalence. Allez, hop, 500, on vous le brade à 500 et puis c'est bon. Je dirais qu'à la limite, excuse-moi Nicolas, mais pas que pour coder, on peut l'utiliser dans le mode paysage ou le mode… Oui, c'est ça, hein, le mode paysage. Moi, je trouve que c'est très pratique parce qu'on a plus tendance… comme tu disais, Nicolas, on peut regarder le texte parce que si on met en mode sans publicité, j'ai perdu le terme, comment c'est en mode édition, c'est pas ça. On peut avoir le texte complet sans qu'il y ait la fameuse barre comme tu disais. Lecture.
la mode lecture, pardon, merci. Ouais. Donc, 499,99 $. Donc, si on regarde bien, 500 et encore. Auparavant, il était à 549 $. Maintenant, il est descendu à 499 $. On y gagne. Allez. C'est parti. Ouais, mais c'est vraiment, moi, c'est un beau produit, un tout en un, qui n'a pas de fil, qui est vraiment très joli. Après, il manque un peu de RAM à mon goût. 4 gigas, c'est le minimum vital sur un Chromebook, je pense, enfin sur Chrome OS, surtout si on commence à lancer des applications Linux ou Android. Mais sinon, pour tout le reste, bureautique et compagnie, franchement, c'est largement suffisant. Thierry, qu'est-ce que tu en penses de ce compte écran? Non, effectivement, pourquoi pas. Je lisais un petit peu tous les commentaires, effectivement. Comme on disait, pour tout ce qui va être du code, pour enfin, de toute façon, ça fait longtemps qu'il existe des systèmes où on peut tourner les écrans. Ben là, plutôt que tourner l'écran, tout est intégré. Il y a de l'idée. Je me pose juste toujours la question avec la webcam parce que j'imagine qu'elle est centrée en haut. En tout cas, j'espère, parce que j'ai horreur des caméras qui sont pas centrées, je trouve que c'est toujours compliqué. Mais c'est à dire que si on tourne l'écran, là soudainement, elle est centrée à gauche ou centrée à droite. C'est peut-être le seul point. Ça peut. C'est ça. Ça peut éventuellement bluffer d'une certaine manière. Mais hormis ce petit détail, sinon, je pense qu'effectivement, ça c'est intéressant. Alors sur le site de HP aux États-Unis. Excuse-moi. Sur le site de HP, on peut monter la mémoire dans la configuration. Alors, en la poussant à 16 gigas, alors bon, bah, 16 gigas, on peut commencer à respirer, hein, on a vraiment de la mémoire. Ça vous monte à 619 $. Ah bon, ça reste honnête. Peu importe, prof du web vient de me convaincre. Donc, voilà. Ouais, parce qu'on peut jouer à Tetris dessus. Effectivement, je suis d'accord. Tetris, un shoot'em up classique, comme je dirais, des CAD, c'est un minimum vital. Enfin, sans ça, à quoi sert un ordinateur si c'est pas pour jouer à ces deux jeux-là? Voilà. On passe à un autre produit que j'apprécie beaucoup aussi. C'est le HP X2 11, parce que 11 pouces, hein, le convertible d'HP. Alors, on l'a dit en préparation avec Thierry, le convertible, je crois que c'est le Chromebook, l'ordinateur de demain pour beaucoup de monde. Hein, ça commence à arriver un petit peu partout. On a tous ici présent le Lenovo IdeaPad, je crois. Hein, Thierry et Laurent, on a tous ce Chromebook-là. Et c'est l'équivalent de celui-ci. À la petite différence, c'est qu'HP est monté d'un cran en termes de finition, de qualité de produit. Ils intègrent 8 Go de RAM par défaut. Donc, ce qui est plutôt pas mal. On est sur un Snapdragon 7C. Et puis, ils ont ajouté la technologie LTE, donc 4G. Donc, si vous voulez mettre une puce à l'intérieur, on le sait que maintenant, Google propose des solutions au niveau logiciel de Chrome OS pour accéder directement au réseau mobile. Le Wi-Fi 5. Alors ça, c'est dommage, j'aurais pu peut-être passer au Wi-Fi 6. Bon, c'est pas encore trop grave pour le moment. Un capteur d'empreinte pour la sécurité. Évidemment, une puce Titan intégrée. Et puis un stylet fourni directement avec. Le bas blesse juste au niveau du prix. Ça, Laurent va nous le trouver facilement parce qu'on est sur un produit relativement cher pour un Chromebook. Mais tout en un. On a la coque arrière qui est fournie, qui nous sert de stand pour positionner l'écran. On a le clavier qui est aimanté, qui peut être enlevé très très facilement et qui sert de coque pour protéger l'écran. Et puis le stylet qui vient directement dessus. Moi, je trouve que c'est un super beau produit. Peut-être un peu cher dans mes souvenirs. Ouais, un capteur d'empreinte, ouais. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal pour la sécurité, ouais. C'est un beau produit, donc il vient jouer dans la cour des Lenovo IdeaPad, du CZ1 de je sais plus Acer, je crois. Enfin, bref, Asus, Acer, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Il se fait tard. Hein, Asus, il me semble. L'Asus, voilà. Et il y a de plus en plus de Chromebook détachables, donc c'est assez intéressant, le mix entre les deux, c'est quelque chose qui revient. Après, j'ai pas abandonné les Chromebooks classiques au profit de mon IdeaPad, hein, parce que l'écran est trop petit, je pense, pour travailler tout le temps, mais ça reste de très très bons produits. Justement, sur ce que tu dis, Nicolas, c'est un peu le souci que j'ai dans cette gamme de prix. Comme tu dis, c'est très pratique. Je suis parti 2 semaines en vacances. J'avais pris mon Spin 13. J'avais pris ma tablette, mon IdeaPad. Ouais. Au final, j'ai utilisé uniquement l'IdeaPad, mais parce que j'ai quasiment pas utilisé le clavier. Le clavier. Sinon, c'était vraiment pour des toutes petites frappes.
du moment où on est amené, ne serait-ce qu'à rédiger un mail un peu plus long, bien comme ça, il faut plus de place. Là, 11 pouces, j'aurais envie de dire d'un côté, enfin non, je pense que ça reste dans tous les cas petit pour un ordinateur et ça commence à faire vraiment grand pour une tablette. Donc personnellement, en 11 pouces, ça va encore. Hein. Ce n'est pas adapté, le prix en rapport qualité-prix, enfin pas rapport qualité-prix, mais le prix par rapport à l'utilité. Et puis je voyais en plus 1,16 kg. J'ai plus en tête le poids de l'idée. Alors, c'est 1,16 kg tout compris, hein. Clavier, souris, oui, pas uniquement l'écran. Hein. Oui, bien sûr, mais j'étais curieux de comparer avec l'IdeaPad. Je n'ai pas les chiffres en tête, donc je me trompe peut-être. Bon, il est à 900 grammes, je crois, dans mes souvenirs, l'IdeaPad. Oui, donc 200 grammes. Et ça, je ne pense pas que ce soit le clavier qui fasse 200 grammes. Ça m'étonnerait. Non, c'est la RAM. Donc, ça doit plus être... c'est la RAM. Ça pèse lourd. Ça pèse lourd, une RAM. Pour l'info, j'ai l'info, il est vendu à 600 $, donc ça reste assez cher. Et donc ouais. Après les mais ils sont pas vendus en France. Ils sont encore pas commercialisés en France. Oui. Ouais. Ils vont peut-être venir, mais c'est pas sûr. Enfin voilà quoi. Donc j'ai le Lenovo Duet n'est pas agréable. Ouais, au niveau du clavier, on peut pas faire des frappes très très longues. Oui, c'est pour ça qu'on a encore c'est de la pointe qui vient se compléter avec un clavier. Moi, quand j'utilise vraiment que celui-ci, c'est pour le brancher sur un écran externe quand je suis au bureau et avec un clavier externe également, un Logitech ou n'importe quoi, on s'en fiche. Voilà, ça me sert de base et l'avantage c'est qu'en déplacement, j'ai quelque chose de léger et qui se connecte un peu partout. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup sur l'IdeaPad. Et l'IdeaPad, l'intérêt, c'est qu'on peut en faire une tablette. C'est voilà. Voilà. La tablette, on la met, on l'utilise, on a besoin de taper un truc, on utilise le clavier, on rebranche le clavier, en plus c'est facile, on l'enlève quand on n'en a plus besoin, voilà. Tout à fait, j'achète la grande base, mais pas l'autre. Ouais, moi aussi, enfin moi j'ai essayé de rien acheter, de me les faire proposer par HP, mais ça on verra plus tard, Si HP veut bien nous les prêter. Si HP nous lit, nous écrit, nous entend, qu'il sache que je suis partant pour la grande base. Effectivement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour rapidement, 1h20, on a encore dépassé un tout petit peu des 1h, mais en tout cas c'était très agréable de discourir avec vous, Laurent Thierry, et puis tous nos auditeurs, merci à vous d'échanger aussi souvent sur le chat. Merci à Stéphane, merci à Matt, merci à Alain, merci à Dominique, merci à Decat, merci à tous ceux que j'ai oubliés encore de vos échanges, c'est très plaisant. Vous nous retrouvez évidemment dans 15 jours sur un nouvel épisode du CKB Show, mais tous les jours sur mycrombo.fr pour des nouveaux articles, alors généralement deux par jour. De temps en temps, on a des loupés, hein, ça arrive, hein, on est humain et il faut qu'on se repose. Et donc, de temps en temps, ça peut arriver qu'on ait qu'un article. Mais des fois, on se rattrape, on en a 3 ou 4 hein, dans la même journée, donc ça va aller. Donc, n'hésitez pas à parler du CKB Show autour de vous, d'aller abonner de force tous vos amis. Et puis on se retrouve très bientôt sur le prochain épisode du CKB Show. Et je vous dis encore une fois, merci à tous. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous le savez sûrement, vous pouvez nous rejoindre dans quelques instants, le temps qu'on aille boire un café pour se réveiller, peut-être pour l'after show. On a encore 2-3 petites choses à vous dire. Il y a un combat qui a fait parler sur la toile il n'y a pas si longtemps et je pense que ça va vous plaire. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, je vous dis à bientôt et dans 15 jours. Allez, ciao, bonsoir. Salut. À bientôt. Et nous revoilà, merci à toi Matt, c'était très agréable de t'avoir, on se retrouve dans 2 semaines, merci. Je te contacterai parce que Apple différemment m'intrigue beaucoup, donc le podcast de Matt, donc allez l'écouter si jamais vous êtes avec nous et que vous aimez aussi l'univers Apple, Real Life,
développement personnel également. Donc, allez-y, allez les voir, allez les écouter. Guillaume et Mathieu sont exceptionnellement bons. Comment on peut dire, des mentors pour nous. Alors, en tout cas, moi, Matt, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc, merci Mathieu pour tout ce que tu as fait pour le CKB Show, parce que sans toi, il n'existerait pas. On va continuer un peu plus informel, je pense. On a préparé quand même quelque chose, hein, rassurez-vous, je vous ai préparé 2-3 petits trucs. Et évidemment, on attend vos questions, on attend tout. Peu importe les questions d'ailleurs, ça peut être sur le sujet qu'on aborde ou autre chose, on n'est plus enregistré, on est en live, mais plus personne ne nous écoute, donc allons-y tranquille. Hein. Laurent est de retour en plus, voilà, le voici. Donc on t'attendait Laurent pour lancer le sujet chaud qui a fait parler. Alors, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous entendu, vous l'avez tous entendu, Microsoft abandonne les Chromebooks. Tadam, j'ai pas un truc. Ah, bon, bah, c'était pas. Ouais. Il y a de quoi? Il y a un moustique. Des moustiques. Ouais, non, c'est ça, c'est un moustique. Merci Thierry. Merci Thierry. Je me suis embêté à le faire. À toi, tu dis que c'est un moustique. Bon, bref. Ouvre la fenêtre du 11e étage, ça devrait passer. Ouais, ça va aller. Vous l'avez vu cette semaine, Microsoft a annoncé ils ont annoncé qu'ils allaient faire une transition entre les applications Android de Office sur Chromebook vers la page Office 365, donc la PWA d'Office. Et ça a fait jaser beaucoup, beaucoup de monde. Et Laurent, c'est toi qui as couvert le sujet de façon mémorable. Oui. Personne n'a rien compris à ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Parce que c'est sympa, mais comment dire? Très romancé. Alors, c'est un peu les tontons flingueurs, tout ça, parce que bon, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le film, les tontons flingueurs, ça se flingue à tout va, hein, entre ceux qui vendent de l'alcool, ceux qui arnaquent avec, le sac de jeu. Bon, bref, il y a des morts, ça flingue, et je me suis dit, bon, bah, c'est les tontons flingueurs. Et donc, j'ai repris les dialogues que j'ai collés dans l'article avec des situations qui étaient, je pensais, cocasses. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils se sont dit de quoi ils racontent. En plus, on s'est dit, beaucoup m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. L'application web est meilleure. Alors que, si on regarde bien, l'application web que propose Microsoft actuellement est moins bien que celle d'Android qui va disparaître. Alors, bien sûr que ça fait couler de l'encre. Pourquoi? Parce que Microsoft avait, s'était installé un petit peu dans un sens où c'était pépère, mémère, ça ronronnait, tout le monde était content, tout le monde se disait, bon, bah ça fonctionne, tout le monde était content, mais Microsoft perdait des clients. C'est vrai que travailler sous Android, c'est pas donner de l'argent à Microsoft. Alors que si vous allez sur le site web, bah vous donnez de l'argent. Voilà. C'est important de le dire, mais Microsoft voit que le pognon. C'est parce que quelque part, Chrome OS est devenu quand même un système d'exploitation qui dérange. Ça dérange autant Apple. Apple l'a dit, hein, ça l'a dérangé. Ils ont bien dit que c'était pas compatible avec une bonne éducation. J'arrange un peu, mais c'était un peu ça. Hein. C'est-à-dire que pour apprendre pour les scolaires, pour les personnes en scolarité, en période de scolarité, il fallait utiliser un appareil Apple plutôt qu'un appareil sous Chrome OS. Ah bon? Ouais, c'est comme les photos, quoi. Il fallait avoir un truc à 1000 balles alors que vous allez apprendre 1 et 1 égale 2. Bon, on peut prendre un tableau, hein, avec une craie, ou alors on peut prendre simplement un Chromebook qui coûte moins cher. Hein, on est bien d'accord. Hein, et du coup, comme le dit Matt, en fait, ce qui est assez étonnant, on a Microsoft qui commence à lancer des applications Android
sur Windows 11 et qui font disparaître la compatibilité de leur propre application Android sur le Chrome OS. Alors, si on regarde un petit peu ce que fait Microsoft, le store qui va être implémenté dans Windows 11 n'est pas le Google Play Store, mais le store de, c'est l'app, comment ils appellent ça, c'est l'App Store de Amazon. Voilà. Amazon Store, voilà. Donc du coup, peut-être que l'application Android Amazon Store sera compatible avec Windows 11, mais pas avec Chrome OS, hein, puisqu'on va peut-être contourner la problématique. Et puis, Google, lui, s'énerve de son côté en faisant disparaître les APK au profit des AAB. peut-être pour embêter aussi Microsoft de l'autre côté, pour éviter que le store Amazon soit de plus en plus fourni avec des APK. Donc, Google change son système. Le système de Google est plutôt intéressant. Le système d'AAB, si vous nous suivez, c'est quelque chose de très sympa, puisqu'en fait, ça va nous permettre de télécharger des applications sans avoir à télécharger la totalité des paquets de l'application. On n'aura pas besoin d'avoir toutes les langues, tous les formats d'écran et compagnie, ce qui fait que l'application en elle-même sera beaucoup plus légère, et ça sera très bien pour nos Chromebooks, mais aussi pour nos smartphones. On voit que la guerre commence à se déclarer. On voit en Amérique du Nord, les Chromebooks, comme le dit Matt, la popularité des Chromebooks est de plus en plus importante. Les ventes sont exponentielles, c'est assez bluffant. Hein. En France et en Europe également, les Chromebooks sont en train de rouler sur le marché. D'une force qu'on n'avait que très rarement vue, un système d'exploitation aussi jeune prendre autant de place aussi vite, c'est assez étonnant, et en sachant que Google ne s'est pas communiqué dessus non plus. Donc on voit la puissance de ça, et la Covid a bien aidé aussi, mais on est sur des produits où en fait ils viennent partout, et Microsoft a peut-être un petit peu peur, et c'est là que j'en viens, c'est que il faut que Microsoft réagisse. Donc Windows 11 qui va être plus léger, plus rapide, plus fiable, machin, tout ça, et puis qui va permettre d'installer des applications Android, étonnant, d'améliorer leur store, hein, Windows aussi, c'est plutôt pas mal, parce que celui qui est actuellement, il est plutôt mauvais, et pour embêter la concurrence, quoi de mieux que de leur mettre des bâtons dans les roues en enlevant Office, qui est aujourd'hui l'élément le plus important, le plus demandé en fait dans un ordinateur, je pense, qui n'a pas entendu parler de Word, Excel et compagnie, qui n'a pas fait ses premières armes à l'école sur ces logiciels-là, même ceux sur Mac utilisent ces applications-là. Donc c'est vrai que le fait que Microsoft bloque ceci, ce n'est pas anodin. Enfin, à mon sens, je pense que la guerre est bien déclarée. Et c'est assez intéressant de voir la réaction des deux. Oui, Je sais pas, Thierry, toi, comment tu vois le fait que Microsoft abandonne ça, mais n'abandonne pas Office 365, hein, évidemment, c'est deux choses séparées. Et est-ce que c'est pour faire plus d'argent, parce qu'Office 365, c'est payant? C'est pas un problème d'argent, je pense qu'ils n'en sont pas là. Première chose, alors je ne sais pas après si c'était la configuration ou bien comme ça, mais l'entreprise pour laquelle je travaille donc utilise Office 365. J'ai utilisé l'appli Android, j'utilise le webmail. Je ne sais pas pourquoi, c'est une catastrophe dans le sens où donc je suis sur Outlook, j'ai un mail avec le volet de lecture. J'ai un mail, je vais dans les paramètres, en fait, les deux fenêtres se superposent et donc se mélangent. Ce qui fait qu'en fait, pour faire simple, c'est inutilisable. Alors, à nouveau, c'est peut-être que moi, je ne sais pas, dans la chatroom, s'il y a des personnes qui rencontrent le même problème, voire même sinon, si des gens ont le problème et savent comment le corriger, je serais ravi d'échanger par Twitter, parce que là, je suis vraiment bloqué au niveau pro sur certains aspects. Et sur l'appli Android, j'ai des problèmes aussi, parce que, par exemple, je sélectionne plusieurs messages, je veux les déplacer dans un dossier, là, ça ne marche pas. Alors, c'est peut-être un bug temporaire, comme ils font des mises à jour toutes les semaines, voilà. Après, supprimer les applis Android, je comprends l'idée. De l'autre côté, c'est ce que tu mettais, Nico, pour les alternatives.
Je pense que le réflexe des gens, moi je vois avec les différents forums de discussion qu'on a, etc., les gens effectivement s'ancrent en disant « je dois taper une lettre, je vais sur Word ». Avant, on pouvait les orienter sur différentes choses. Maintenant, potentiellement, on va leur dire ben, « via une appli Android, c'est mort, donc il faut passer par du web, quitte à passer par du web, passer par Google Workspace ». Je suis convaincu par vous. Je suis étonné que quelque part, en supprimant les applications Android, bah, ouais. Ça va permettre à Google de développer encore plus, finalement, Google Workspace sur typiquement les Chromebooks, parce que comme tu disais, il y a le marché qui se développe, les gens sont de plus en plus demandeurs, et finalement, il va y avoir une espèce de bascule automatique. J'ai envie de dire tant mieux pour Google, mais d'une certaine manière, je suis un peu surpris. Après, ils n'ont jamais été clairs sur les applis Android. De mémoire, au départ, c'était compatible que pour les équipements de moins de 10 pouces. Après, ils étaient revenus en arrière, etc. Enfin, effectivement, oui. Les Microsoft, dans le domaine, ont changé dans tous les sens. Oui. Il y a des choses assez intéressantes. On voit Alain en Suisse qui nous dit que dans les écoles secondaires, c'est que de l'outil libre ou à la limite, Apple. Donc, en fait, ils sont déjà habitués en Suisse à utiliser des logiciels libres. Donc, ça, c'est plutôt intéressant donc, parce qu'eux vont fonctionner sur Chromebook. Et ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ça, enfin, après, c'est ma vision des choses, mais en faisant ça, Microsoft donc, se ferme petit à petit la porte au Chromebook, qui est pourtant un marché émergent et ouvre la voie à Google Workspace, mais également aux logiciels libres parce que ils fonctionnent parfaitement bien sur nos Chromebooks pour la plupart. Comme le disait, je crois que c'est Alain encore, on a des applications, donc je l'ai noté sur le visuel. C'est uniquement à Genève. Ok, bon, juste à Genève. Donc, on a LibreOffice, on a des applications Android qui sont WPS, qui marchent bien. On a LibreOffice, on a SoftMaker, on a plein d'applications alternatives qui vont d'un seul coup trouver un nouveau public, ceux qui sont sur Chromebook et qui ne veulent pas forcément utiliser Google Workspace. Donc, ils vont pouvoir aller directement sur des applications libres. Et c'est plutôt intéressant de voir ça. Et ça va ouvrir une voie qui est royal à tous ces logiciels qui étaient pas méconnus, loin de là, mais qui étaient plus confidentiels. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Oh, Thierry. Sans vouloir troller, ce n'est pas le but, mais je trouve que la politique Microsoft, elle est un peu particulière en ce moment. Ils sortent Windows 11, bon, même s'ils sont revenus un petit peu en arrière, mais c'était limité à... Allez, on va faire ça très simple, à certains PC, certaines gammes de PC, à nouveau, ils sont revenus en arrière là récemment, ils enlèvent les applications Android. Là où ils étaient partis sur un monde très ouvert à intégrer Android dans Microsoft, etc., on a l'impression que là, depuis 6 mois, ils sont en train de complètement se refermer. Je suis assez étonné. Je pense que, si tu veux, c'est le succès, comme disait Nicolas, parce que on n'a pas l'air de voir un petit peu ce que c'est, mais les volumes de vente de Chromebook sont faramineux. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu il y a longtemps. Le marché du PC était en train de stagner. Et indirectement, tous les constructeurs de semi-conducteurs, de coques, d'usines, de sous-traitants qui faisaient des PC, que ça soit de bureaux ou d'ordinateurs portables, en dehors de ceux d'Apple, étaient vraiment dans une spirale où ça descendait. Avec le Chromebook, principalement avec le Chromebook, le marché est florissant. Je dirais que le marché a repris des couleurs. Les sous-traitants, que ça soit sur la coque, par exemple, les coques, le traitement des coques, le traitement des processeurs, tout ça fait que c'est important. On parlait d'HP tout à l'heure parce qu'on parlait avec la Chrome base. Il faut savoir quand même que HP est actuellement le premier vendeur de Chromebook au monde. Bien sûr. Au niveau... Hein, il faut se mettre, il faut dire que même si on fait des volumes, on fait des volumes des machines à 300 ou à 400 euros qui vont permettre de travailler aussi bien
que d'autres ordinateurs, mais qui vont sur la durée faire qu'on va pouvoir, pendant toute la durée de la mise à jour du Chromebook, on va pouvoir, comme au premier jour, l'utiliser jusqu'au dernier jour. Je veux dire, il n'y aura pas de ralentissement. Mais d'où ma surprise, d'où d'autant plus ma surprise sur la politique de Microsoft. Eh bien, ouais. Justement, parce que le Chromebook est en train de s'installer durablement. Et je pense que même s'il y a, le côté libre, comme disait, je ne sais plus qui, Alain, le côté justement de Chrome OS, c'est d'autoriser les containers Linux. Ça permet un double emploi. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir l'utilisation Google, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même assez, entre guillemets, fermé, puisqu'on n'utilise que des applications qui sont bien spécifiquement à Google, qui dépendent spécifiquement de Google. Je pense à Google Doc, Google Sheet, Google, toute la myriade de produits Google. Mais de l'autre côté, on est très ouvert, puisqu'on peut utiliser n'importe quel. Google ne va pas venir nous dire vous utilisez tel logiciel sous Linux, vous n'avez pas le droit. Non. Alors que Microsoft, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et je pense que Google va gagner des parts de marché. Je pense que Google va gagner des parts de marché par l'action même de Microsoft. Alors, pourquoi Microsoft a un tel comportement, alors que, comme tu disais si justement, Thierry, il y a quelques temps encore, ils s'ouvraient. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont acheté la plateforme GTube, si je me rappelle bien. GitHub, oui. Ouais, donc qui est quand même quelque chose, une plateforme où le logiciel est ouvert. On s'aperçoit qu'en fin de compte, ils s'en foutent. C'est comme quand ils ont acheté LinkedIn. C'est pas. Oui, voilà. C'est pas pour de la plateforme ouverte ou quoi que ce soit. Ça, non, mais ça montrait quand même qu'ils peuvent. Des spéculations financières, ça marche bien. Ils peuvent la racheter, voilà. Oui, mais ce que je veux dire quand même, c'est que c'est vrai effectivement que Microsoft est obligé de se refermer justement à cause du succès qui est flagrant des Chromebooks. Et ça, je pense qu'ils ont du mal à l'accepter. Et cette histoire, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait qu'il y avait des personnes qui ont appris qu'à partir de Windows. Il faut savoir une chose, c'est que Google, avant Google et avant Apple, Microsoft à une période, Microsoft, la société Microsoft, était leader sur le marché mondial. Non, je veux dire que aujourd'hui, Microsoft, oui, société. Il y a quelque temps, j'avais dit que Microsoft était amené à disparaître. Je pense et je continue à penser que Microsoft un jour disparaîtra. Il ne sera plus qu'une petite PME. Non, mais c'est peut-être forcer le trait, mais je dis que Microsoft n'a plus ce côté. Sans relancer le débat, Microsoft, c'est pas que Windows. Oui, c'est pas que ça. Hein. Et ils sont très riches, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais pas de problème pour eux. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, bien sûr qu'ils ne sont pas que Windows. Et heureusement, parce que sinon, il y a longtemps qu'ils auraient disparu. Mais je veux dire que. C'est déjà pas mal. Ouais, Xbox, non, ils ont beaucoup de choses, vous inquiétez pas. Non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que Microsoft est quand même amené, elle ne fait plus la pluie et le beau temps. Auparavant, Microsoft, pour finir. Pour le particulier. Pour le particulier. Il faisait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Ce n'est plus lui qui donne le tempo sur l'informatique. Ce n'est plus lui qui va dire il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Ce n'est plus lui qui va définir des structures, des politiques au niveau de l'informatique. Ce n'est plus lui. Terminé. Par contre, si maintenant, pour voir la météo, donc voir la pluie et le beau temps, on ne peut pas regarder par la fenêtre, c'est quand même dommage. Ça, je dis rien. Je note alors moins un pour Thierry. On passe. Allez, voilà. Je ne sais pas si dans la chatroom vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus. Je vais passer à un autre truc que j'avais trouvé sympa. Une petite fonctionnalité que j'aime beaucoup. Dominique m'avait même rappelé qu'elle existait déjà, mais autrement. Depuis quelques semaines, je crois, on peut faire des recherches sur Google. Voilà. Alors, ceux qui nous écoutent en podcast... Ah ben non, j'ai arrêté le podcast. Ceux qui nous regardent, on peut faire des recherches sur n'importe quelle page web et n'importe quelle partie de la page web, que ça soit une photo, que ça soit du texte, que ça soit une vidéo, quoi que ce soit. Maintenant, avec un clic droit sur la page web, ça ouvre
une fenêtre redimensionnable. Je ne sais pas comment ça, un espèce de, comment on peut appeler ça, un cadre redimensionnable que vous pouvez amener n'importe où sur l'image. Et il va aller le rechercher directement dans Google Images avec, en vous donnant tout ce qu'il a trouvé sur Google Images. Et c'est assez bluffant. On l'a déjà dans Google Images, effectivement, comme me le disait Dominique en aparté, où on peut vous ouvrez Google Images, vous collez votre image et vous allez pouvoir chercher une partie de l'image. Donc, si tu veux chercher uniquement la robe que la personne a, tu sélectionnes que la robe. Si tu veux le couteau pour savoir quel coutelier l'a fabriqué, tu sélectionnes que ça. Et c'est un peu comme la capture d'écran sur Chrome OS, en fait. Ça vous permet de faire des cadres bien sélectifs d'une partie de l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté dans Chrome Labs, alors vous savez, si vous l'avez activé, c'est la petite fiole qui apparaît dans la barre Omnibox de Chrome, c'est une petite fiole, vous cliquez dessus, il y a de temps en temps des nouveautés qui apparaissent dessus, et donc ils ont rajouté recherche sur l'écran avec Google Lens, et si vous n'avez pas ça et que vous êtes sur un autre appareil qu'un Chromebook par exemple, vous pouvez aller activer le flag Enable Lens Region Search, et vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité. Là, je la trouve géniale, elle m'a dépanné cette semaine, elle a dû me dépanner 3 ou 4 fois comme ça, juste en inclus. C'est déjà énorme, enfin, quand je disais. Ouais, ouais. Mais sur des conneries, hein, c'est typiquement, je cherche, il y avait une photo, je vais raconter ma life, il y a une photo et il y avait un stylo posé sur la. Enfin, on voyait un stylo qui était pris en photo et je cherchais, parce que je le trouvais très beau, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien celui-ci. Et je l'ai juste entouré, pouf, je l'ai trouvé. Avec un collègue, on avait un débat sur un appareil tech qui traînait sur une vidéo, un tutoriel qu'on a reçu au boulot. On a mis sur pause la vidéo qui s'ouvrait dans le navigateur et on a sélectionné la partie de la vidéo et on a trouvé ce que c'était. C'est génial. Du coup, rien que ces deux trucs-là, moi, j'ai trouvé super, super bluffant. Ça m'a évité de trop réfléchir, toi, parce quand que... Quand tu penses que c'est qu'un moteur de recherche... Ouais, enfin, c'est pas qu'un moteur de recherche, c'est un moteur de recherche sur l'image, et c'est juste bluffant. Et moi, j'ai adoré ça, et ça marche super bien. Et ça permet de regarder si on t'envoie une image, si le mec, il te dit « Ah, c'est moi qui l'ai faite », tu la sélectionnes et tu vas voir si c'est bien lui qui l'a faite. Voilà. Voilà. Par exemple, on peut avoir des surprises sur certains cas. Et quelque chose de vraiment très sympa à utiliser, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je sais pas pour vous si vous en avez déjà utilisé ou si vous l'avez déjà utilisé ou pas. Bonjour Patrick, coucou. excusez-moi. Laurent, tu l'as utilisé un petit peu, non? Non, je l'utilise pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que pour l'instant, je n'ai pas l'occasion, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser parce que j'ai pas fait la démarche. Voilà, sincèrement, j'ai pas fait la démarche. Mais bon, ça va venir doucement. Il y a des choses des fois, il y a des trucs des fois que tu utilises et puis moi je suis derrière. Oui, c'est bien. Et puis bon, je me dis va peut-être falloir que je l'utilise. Et puis bon, dans 15 jours, peut-être je te dirais. T'as vu ceci, t'as vu cela, t'as vu la manière de l'utiliser, la commande, ceci, cela. Je pense que c'est très bien. Non, mais quand je disais moteur de recherche, ce que je veux dire, c'est que qu'on imagine bien, c'est que Google, à partir d'un moteur de recherche, tout ce qu'il peut nous proposer. C'est exceptionnel. C'est de se dire qu'à partir d'un moteur de recherche, c'est-à-dire de paramètres booléens, c'est ça, Thierry? Un moteur de recherche? C'est des paramètres booléens, je suppose? Personnellement, parce que booléen, c'est vrai ou faux? Oui, non, mais je veux dire, il y a la structure même d'un moteur de recherche se définit d'une manière. Surtout celui de Google. Oui, voilà. Je veux dire, d'un moteur de recherche, imaginez toutes les possibilités que ça nous ouvre. Je trouve ça géant. C'est pour ça que je reviens sur Microsoft. Je pense que Microsoft a complètement loupé, a tout loupé. Autant le moteur de recherche Bing, il est à 5%. Bon, 5%, c'est rien. Non, on voit. Pardon? Non, tu m'as cassé ce que j'allais dire. J'allais dire, bah oui, il a tout loupé. Et Bing? Ah oui, mais Bing, oui, bah oui, bah Bing, oui. il a loupé le. Ouais, bravo.
Il a loupé le côté téléphone, smartphone et compagnie. Il a loupé plein de choses. C'est pour ça que je pense que Microsoft, il doit l'avoir mauvaise. Et c'est pour ça un petit peu par. On va jouer un peu. Je reviens sur l'article que j'avais écrit. C'est un peu les tontons flingueurs. C'est je te tire dessus et puis toi derrière l'arbre, pouf pouf pouf. Pardon. Tu tires dessus et ça fait un blue screen. Voilà. Il est noir maintenant dans Windows 11. Voilà. Ah merde. Oui. S'il change entre temps. Alors, ce que je veux dire, non, mais ce que je voulais finir là-dessus, c'est que je veux dire, à partir d'un moteur de recherche, tout ce que nous avons parlé pendant une heure, et même maintenant, ça fait presque deux heures, c'est vraiment Google. Tout ça à partir d'un moteur de recherche, je trouve ça formidable. Voilà. C'était ma c'était... Richard qui m'a fait sourire avec son commentaire. pardon. Le moteur de recherche Google est exceptionnel. On part d'un moteur de recherche. Maintenant, c'est plus que ça. C'est du matériel, c'est du hardware, c'est du software. Ça va sur tout et n'importe quoi. C'est de la robotique. C'est bluffant. Vous avez vu d'ailleurs les robots là qui sautent, qui font de Boston Dynamics. Là, ça appartenait à Google, je crois ça. Qui arrive à se mouvoir, à sauter, à faire des pirouettes, à faire un parcours d'obstacles. C'est assez bluffant, non ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, moi, je trouve ça très, très formidable. Et je veux dire, ça ouvre plein de portes. Ça ouvre... Ouais. Ça non, ouvre... ils n'ont pas de main. Mais, Oui, non, mais ça ouvre plein de portes. C'est bon, les dinosaures dans Jurassic Park, ils n'ont pas de main, ils ouvrent des portes. Oui, effectivement. Mais ils ont une petite main. Ils donnent des coups dedans. Mais c'est bluffant, hein. En sachant que c'est rien, quoi. Voilà, c'est ça. Et je reviens à ça, c'est de se dire que la recherche, à partir simplement d'une manière de gérer des sites web, nous amène à ça. Ouais. C'est... Ça va être sur ces bonnes paroles, je pense, qu'on va se quitter. Bah oui, enfin, à moins que vous ayez les questions, j'ai pas lu toutes les questions. Alors si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai suivi, mais j'ai pas vu de questions particulières. Est-ce que vous avez des questions particulières à la chatroom ? Allez-y, dépêchez-vous, on vous donne une minute. La. Le premier qui pose la question, qui tue ? On ferme le bing. Donc, ferme bing. Donc, on se retrouvera de toute façon dans 15 jours, j'imagine, hein, si tout se passe bien. On aura encore pas mal de sujets. Pareil, encore une fois, si vous avez des sujets en particulier que vous vouliez qu'on aborde, évidemment, autour de Google, de Chrome OS, des Chromebooks, d'Android, principalement, hein, parce qu'on parle que de ça, hein, vous le savez, n'hésitez pas à nous les remonter, hein, soit dans la chatroom, soit via Twitter ou tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et si vous voulez nous laisser des commentaires sous cette vidéo, une fois qu'on a terminé, ce serait avec un grand plaisir que je les accepterais, parce que c'est ça qui nous fait remonter dans les classements de YouTube et nous permet d'avoir d'autres d'autres personnes qui nous regardent. Donc allez-y, vu que vous nous suivez, c'est que vous nous aimez bien, dites juste qu'on est géniaux, enfin dites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de dire ça, hein, vous pouvez dire juste qu'on est exceptionnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à génial, mais vous pouvez rebondir sur ce qu'on a dit, laissez-nous vos commentaires dans la vidéo, je vais mettre ce format en podcast pour demain si tout se passe bien également, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux, histoire de nous aider et pour que tout le monde nous connaisse, parce que Chrome OS, ça commence à être connu, nous aussi, mais sans vous, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc, merci en tout cas de nous avoir suivis deux heures. Ça devient de plus en plus long, ces épisodes. Mais à chaque fois, je prends un grand plaisir à être avec toi, Laurent, et aussi toi, Thierry, quand même un peu. et puis, évidemment, tous ceux qui nous écoutent et qui échangent avec nous. Voilà, moi, je voulais vous dire un grand merci à vous tous et je vous souhaite, prenez déjà bien soin de vous, hein, dans ces temps compliqués, mais je vous souhaite également une bonne nuit, une bonne soirée si la nuit n'est pas encore arrivée chez vous. Et puis, je vous dis à dans 15 jours et à très bientôt pour vous deux. Ouais, bientôt. Bonne soirée. Salut à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et vous pouvez rallumer vos smartphones.
À plus dans le bus, effectivement. Salut Patrick. Veuillez vous connecter via l'application Google Home. Merci Google. Ok Google, éteins le podcast.